Ok, allez, bonjour à tous. C'est-à-dire, nous pouvons cause papier D, nous pouvons cause false. Correct? False. Et false, c'est papier D. Là, nous cause false, c'est une commande qui s'observe en prendre. Et c'est open file, read file, write the file, et close file, et IOF. C'est-à-dire, nous pouvons créer un texte file, et nous pouvons mettre des états dans le file là, et nous pouvons lire des états dans le file là, et nous pouvons lire des états dans le file là. Nous pouvons mettre des états, nous pouvons lire des états dans le file là. Voilà, je vous dis, le topic, c'est ça. D'accord? C'est-à-dire, dans le syllabus, nous pouvons cause papier D, nous pouvons cause 2.23. Correct? Et bien, commande qu'ils ont fait, supposé connaître, open file, read file, write file, close file, et IOF veut dire end of file. Ça, c'est une commande qu'ils ont fait, là, vous avez connu. D'accord? Maintenant, nous continuons, nous pouvons être ce côté pratique. Voilà, ce côté pratique, nous rendons dans papier D. Voilà, nous quittons ce côté pratique, là, nous cause files. Right? Voilà, files. Une minute, ça c'est papier d'examen. Une minute dans le. Voilà. Serial files. Voilà. Voilà, ça c'est le côté pratique. Ok, nous oublions, nous expliquons. Si les enfants ne comprennent pas les diamants. Et ce pratique, moi, vous faire là. Vous montrer comment dans VB, nous allons nous créer ça. Allez, right. Maintenant, ce qui est important, là, nous créons module, correct. Nous déclarons une variable. Et moi, vous créez un main menu là. Correct. Un main menu. Voilà. Ça, c'est mon main menu. Correct. Moi, ouvert VB. Moi, explique comment vous pouvez faire là. Voilà, dans VB. Correct. Moi, j'espère que tous les enfants vont suivre et je vous ai fait pareil. Dans VB. Ok. Nous pouvons ouvrir VB et nous créons un menu. Voilà. On fait New Projects. Correct. Tous les enfants, vous allez comprendre comment ça marche. J'espère que vous allez suivre moi là. Et nous pouvons cause false. Nous pouvons faire ce côté pratique. Là, nous pouvons faire papier d'examen. Voilà. Dans VB. Nous pouvons créer un système. Voilà, console, voilà, nous rentrer dans nos VB. Voilà, et je vous ai fait ce pratique, je vous ai dit, from reconnecting background music. Ok, voilà. Maintenant, nous pouvons prendre sa commande, hein, and meet us out. Voilà. Dans le domaine, correct, dans mon main programme, voilà. Dans mon main programme, je vais créer, je vais call menu. Voilà. Allez, si je ne vais pas comprendre ce que je veux dire, dans mon main programme, je vais call menu. Ok, si je vais zoom un petit peu plus bon. Pour les enfants qui ont trouvé. 150, voilà. Mon créer menu. J'espère que tout est compris. Mais là, moi, vous êtes créé menu. Parce que menu, il y a un sub-programme. Vous êtes tous d'accord? Menu, il y a un sub-programme. Je veux dire, moi, vous êtes créé sub-programme menu. Voilà. Maintenant, moi, là-haut, je prends sa code pour menu. Là. Voilà. This is my sub-programme menu. Ok, vous ne pouvez pas taper sa code. Je vais expliquer. Si tous les enfants comprennent, ils disent. Si pas comprennent, ils posent des questions. Voilà. Là, moi, créer mon sub-programme menu. Allez, maintenant nous pouvons run ce programme là et nous pouvons tester les bout par bout. Nous pouvons faire console, console de read line ou bloc lui. Voilà. Maintenant qui est arrivé, les mains roulées, les call display menu et les fait display menu, les fait display menu, il rentre dans menu. Correct. Ouais. Il rentre dans display menu et il exécute tout ça là. Je veux dire, main menu pour pas, pareil. Bon, là, dans ce programme-là, ce qu'ils ont à apprendre, comment créer un menu. Voilà, comment créer un menu. Maintenant, je vais vous tester, je vais vous montrer comment ça marche. Voilà. Et tout bonne option d'un menu. Là. Voilà. Voilà, nous avons un coup. Voilà. Ça, je voudrais comprendre. Maintenant, le main programme roulé, il appelle ça ce programme display menu. Là. Menu, c'est tout bonne option pareil. C'est-à-dire, il, ça, right line, main menu for the file, il paraît là. Première option, enter data in the file. Deuxième option, read data from the file. Troisième option,
append data in the file. Quatrième option, search et data in the file. Cinquième option, delete data from the file. Là, là, il dit enter your choice. D'accord? Après, il dit enter your choice. Maintenant, nous avons un coup. Ça bout là, mon pensée, tous les enfants comprennent. Je ne comprends comment créer un menu. Voilà, on crée un sub-programme. Voilà, ça mon sub-programme. Ce programme-là, il a ce taille, ce nom. Ok? Et dans le main programme, on call ce sub-programme-là. Là, on call l'idée rentre là-dedans. Et tout simplement, la ligne apparaît. Je veux dire, console.write line, c'est ben la ligne qui peut apparaître. Allez, Waïda, est-ce qu'il donne comprendre ça bout là? Non, pas trop. Oui, monsieur. Tu ne comprends tout le monde refaire là-dedans. Mais c'est mort, d'un place à le créer menu. Je veux dire, prends ce code-là. Je veux dire, mets-le là-même direct. Mais c'est moi qui fais mon avis dans ce programme. Pour te connaître l'importance d'un ce programme. Un ce programme, il y a des craintes à faire. Gardien de notre place quand tu as besoin de lui, tu appelles lui. D'accord? Bon, là, tu as fini à prendre comment faire menu. Maintenant, nous avons nos notes encore. Dans notre sang, on l'explique. Il y a fini faire ton menu. Là, tu as besoin de dire user là, enter your choice. Correct? Voilà. Maintenant, mettons enter your choice. Moi, appelle lui. C'est même sa choice là. Mettons, moi, appelle lui X. Et je voulais vous choisir une valeur x. Ouais, dans mon programme, je déclare une variable, je m'appelle x. Je dis x pour une valeur. Il y a 1, il y a 2, il y a 3, il y a 4, il y a 5. Maintenant, là, nous finissons par lire. Nous devons choisir si il y a n, qui nous devons faire. Si il y a d, qui nous devons faire. Si il y a 3, qui nous devons faire. Voilà, maintenant, je rentre là. Voilà. Si, je voulais pour intervalue, x pour une valeur. Et si l'i n qui l'i pour faire, si l'i d qui l'i pour faire, si l'i 3 qui l'i pour faire, si l'i 4 qui l'i pour faire. Voilà, ça m'a mis dans le loop. Et dire, du moins là pour intervalue, et dépendant qui va aller à x pour été, correct, dépendant x qui pour été, il pour faire une action. Voilà, mon mettre là. Et il n'est pas bon. Voilà, je viens là. Je viens là. Je copie ça. Voilà. Vous venez là. Vous payez ça là. Voilà. Voilà. X veut dire là, dans le main menu, qui peut arriver. Il peut aller dans le main menu. Ça peut apparaître. Tout ça, option là pour apparaître. Et il vous dit, user là, enter your choice. Ok. Là, user là pour enter your choice. Il peut venir là. Veut dire, X pour gagner valeur. Mais si X va aller, pour la plusieurs options là, si l'IN. Il peut appeler un autre sub-programme appelé File Output. Si X valeur D, il est là, D. Mais il peut appeler un autre sub-programme. Il peut appeler un autre sub-programme appelé Input File. Ok? Mais il Output File là, il peut mettre des états dans le file là. Input File veut dire, il peut tirer des états dans le file là. Et à peine qu'il veut dire, continuer à ajouter sans de délire. Ça, tout ça là, c'est un sub-programme ça. Je pas encore écrit. À cause ça, il y a un petit point rouge préparé là. Qui fait avec dire libé trouver rien parce qu'il s'abonne ce programme là pas encore écrit là. Maintenant, ça ce qu'ils ont en prendre à ce là, je n'en prends de capable call un sub-programme menu. Voilà ce programme menu là paraît et bien déjà user là met un choix enter choice et les user là met un choix, il met un choix x est capable n est capable d est capable 3 est capable 4 mais dépendant qui va aller vous aider vous faire une action jusqu'à 5. Si l'IN, il peut appeler un sub-programme appelé File Output. C'est moi, je n'ai pas encore écrit File Output là. Si l'ID, il peut faire un autre programme appelé File Input. Je n'ai pas encore écrit. Ça, mon sub-programme là, je n'ai pas encore écrit. N par N, je vais l'écrire là. C'est moi, avant moi l'écrire, je vais expliquer ce qui m'a fait un loop. Qui fait mon faire un loop ça? Loop until X valeur li entre N à 5. Parce que qui fait mon mettre N à 5? Parce que user là, capable de mettre une valeur seulement N à 5. Mais dire on a 5 options. Number 1, enter data the file. Number 2, read data from the file. Number 3, append data from the file. Number 4, the search data from the file. Et number 5, nous delete data de la file. D'accord? Veut dire mon run ça programme là, mon explique ça. Une area qui fait une area, c'est la carte qui fait une area. Parce que ça va ce programme là, mon pas encore écrit. Les libé call ça ce programme là, ça pas encore écrire, ça pas encore écrire. À cause ça, il peut faire faute. Et pour empêcher de faire faute, je suis capable de faire comments là. Je mets dans comments. Je mets les comments. Et je mets les comments, je veux dire ça va ce programme là, pas encore logué là. Je veux dire, je mets les comments. Correct, je mets les comments. Parce que je ne peux pas encore écrire ça va ce programme là. Et au fur et à mesure, je peux écrire ça va ce programme là. Et il est là, je peux logué. Correct. Ça, je suis capable de faire. Maintenant, je vais rerun.
il a encore eu l'immédiatement, il a quitté une coûte, mais nous avons là, il dit, menu paraît, main menu, from the file, number one, enter data in the file, number two, read data from the file, number three, à peine, il veut dire continuer à ajouter sans delete, numéro 4, search, numéro 5, delete, et là, nous enter your choice. Il veut dire, là, nous avons l'entrée 4. Mais une question, moi, tu peux demander, Waida, si moi, je dis, enter your choice, moi, je dis, numéro 4, qui variable pour gagner sa valeur 4 là ici? Est-ce qu'il te connaît? Qui variable pour gagner sa valeur 4 là? X, très bien modifié. Là, moi, je gagne courage. Je veux dire X pour gagner valeur 4. Bien bon modifié. Là, moi, je gagne courage. Moi, je vais continuer à expliquer. Mais, Waida, moi, je vais poser une question. Qui fait une fait sa loop là? Do loop until X tilde affaire. Qui fait une écrire sa loop là? Qui te permet de faire? Ouais, très bien modifié, exacte réponse. De valider X. Parce que X est bizarre entre 1 à 5. Il n'est pas capable de l'autre valeur. C'est-à-dire de faire validation. Top. Jolie réponse. Allez. Ouais. Ah, c'est l'autre question. Qui fait mon comment ça? Dis-moi qui fait mon comment ça, calling là? Ouais. Mon comment est parce que ça. Ça sort programme, il va faire call sa file output là. Dans mon programme, on peut encore écrire là, on peut encore écrire là. Mon écran dit sub display menu. Mais on peut encore écrire là. Il peut faire faute parce qu'il m'a appelé lui. Mon peut appeler lui, mais il n'a pas existé. Mais à cause de ça, mon comment là. Ok? Et tout ça, là, mon comment là. Et tu as l'air de regretter comment vous pouvez corriger ça en erreur là. Ok? Bon, on n'est pas utilisé de ma erreur, mais toujours, mon qui a un coup de kiffer. Bon, on continue à run. Bon, on est besoin de rôder côté de l'erreur encore, mais tu as l'air de ça. Et là, si tu veux mettre un petit bracket là pour faire les vignes jeudi, je stop. Déjà, stop. Un petit bracket. Un petit bracket pour faire les jeudi. Allez, nous continuons, Waida. Là, je vais expliquer une affaire bien intéressante. Quand nous pouvons mettre des états dans un file. Correct? Je vais vous montrer comment mettre des états dans un file. Un chama de comment s'en prendre là. Voilà, je rentre dans mon coding. Ok, doucement, je vais construire là. Ok. Une minute à toi. Je vais vous montrer comment mettre des états dans le file. Allez, premier qui va en prendre, c'est file output. Ok, je vais appeler lui. Mais c'est moi pour moi appeler lui, file output. Allez, je vais copier ce code là. On peut expliquer ce code là. Voilà, file output. Ok, je vais expliquer là. Hein? File output. Ok, je vais expliquer toi ça va une commande là intimement. Là, je copie ce sort programme là. Je vais appeler lui quelque part là-haut dans le module. Voilà, mon PC là. Correct? Je veux dire, mon appel file output. C'est ce programme là, comment il appelle? File output. Mais, dans mon menu, je vais ouvrir l'IASTIA parce que je vais choisir la première option. Est-ce qu'il y a un compagnon qui fait mon ouvrir? Parce que je vais finir créer. Tu comprends? File output, je vais finir créer. Et là, je vais finir créer, je vais dire, je vais ouvrir pour mon cas travail à l'intérieur. Je veux dire, modifie. Si je rends l'IA là, ok, je vais pas connaître sa faute là, tout à l'heure, je vais le corriger. Qui première option vous mettez? N. Parce qu'ils m'ont fini ouvert. D pas pour marcher, 3 pas pour marcher, 4 pas pour marcher, 5 pas pour marcher parce qu'ils m'ont pas encore créé. Mais N pour marcher. Mais c'est moi, il n'y a pas de marcher qui fait, je vais expliquer. Ok, je vais expliquer, c'est pas un code là qui peut faire. Right, ne commence à expliquer, c'est ça. Ok, moi tu finis. Right. Ça, c'est un rendez-vous file output. File output qui fait, il écrit dans un file. Bon, file là, nous faisons créer avant. Allez, quel file là, ce nom? File là, comment il y avait? File.txt. Sa file là, une minute, je vais faire une erreur là. Oui, file là, il appelle file.txt. Et d'un côté, il était dans C drive. Maintenant, ce qu'il m'a fait, moi, dans C drive, je vais regarder si file là existait, si pas existait, je vais créer. Allez, non, allez. Dans C drive, ouvert. Allez, papier ouvert, nous venons là. On rentre dans C drive. Voilà. File là, comment appeler les enfants? Je vais oublier ce nom. File.txt. Non? Allez, Ryan. File.txt, je vais créer là. Si déjà il existait, il est déjà existé. Ok, get file là. File.txt, je vais ouvrir là. Il est déjà dans ce là. Je vais delete là. Ok, je vais save. File là déjà existé. Dans notre pad, je vais créer là. Allez, si tu as envie de get file là bien, tu vas right click là-dedans, tu vas sur properties. File là, il est dans C drive. Ce nom appelle file, F-I-L-I. Et sur extension, c'est txt. Correct là, tu as fait comprendre? File.txt. Je veux dire, file a existé. Et dans file là, il n'y a pas de nom. Tu es d'accord, Waida? Dans file là, il n'y a pas de nom.
Right. Maintenant, je rentre dans mon software. Mon software est supposé servir une commande pour ouvrir un file. Bon, sa commande qui appelle file open là, il y a une commande bien puissante. En dans l'île, il y a trois paramètres. Numéro N paramètre, N minute, je ne fais rien. Premier paramètre, il y a numéro N. Deuxième paramètre, il y en a PAF. Et troisième paramètre, il y en a son board. Bon, c'est moi explique-toi sa commande là qui diffère. Bon, sa commande là, il y a une commande bien puissante, file open. Qui diffère, il est connecté avec sa file là physiquement. Veut dire, il ouvre sa notepad là, sa file qui appelle file. Sa file qui appelle file txt là, il est connecté en lit. C'est-à-dire file open, c'est une commande bien puissante dans VB. Il est connecté toi avec sa file là. C'est-à-dire dans file open, il servit trois paramètres. Premier paramètre, c'est file là sur reference number. Bon, on appelle le number 1, mais je peux appeler le number 2, number 3. Pareil comme l'école de gain index number, number 1, number 2. C'est-à-dire il y a une reference number. C'est-à-dire dans la place, ça coûte mon appel file là. Je appelle le pas sur. Pareil comme ça coûte de place, le professeur appelle toi par ton nom dans l'école, il appelle toi par index number. Numéro 1, présent. Numéro 2, présent. Numéro 3, présent. Mais ça, numéro là, une reference number, ça. Il donne le number 1. Maintenant, deuxième paramètre, c'est ce PAF. Bon, PAF, si tu veux bien, moi, tu faisais fini créer PAF comme une variable. Si tu veux, moi, j'ai min, dim là, PAF, ok, as string. Ok, moi, je vais créer PAF comme une variable string. Qui fait, moi, créer PAF comme une variable string? Parce qu'il PAF peut une valeur, code file là ici. Bon, file là actuellement, code y était, qu'est-ce bien? Voilà, mon file, suivez-le bien si tu n'as pas compris ce que je veux dire. File là, moi, je mets dans ce doigt. Tu as mis dans n'importe qui place. À la file là, là. Tu nous donnes un nom, correct. On n'a pas rien dans la file là. Mais file là, qu'est-ce bien? File là, ok, right-click, suivre, sur properties. File là, ce nom, il appelle file, et sur extension, c'est txt. Et tu dois ce doigt. Voilà, mais si tu regardes bien, mon créer une affaire appelé PAF. PAF, il y a une variable, il y a une string data. Mais déjà, il peut garder sa file là sur PAF, file là sur nom, sur PAF, sur location en entier, mon peut garder. Bon, de place, ça coûte mon pour rappel si colonne slash dot txt. Mon associe ça, tout ça affaire là comme PAF. Tu comprends? Et là, mon met PAF là, là. C'est moi, si mon tire PAF là ici, qui m'utilise à écrire là sur place? M'utilise à écrire si. Colon slash file.txt. Je vais écrire là. C'est moi de la place où je vais écrire là, je vais écrire PAF. Mais déjà, les enfants, tu es capable d'écrire ça comme ça, tu peux marcher, même ça fait ça. Et là, je vais faire copy. Les enfants là de la place PAF, ils mettent là. Est-ce qu'ils sont d'accord moi? Ouais, là. Tu peux écrire là comme ça. Ok? Je vais dire, dans sa commande qui appelle file open là, il y a trois paramètres là-dedans. Premier paramètre, file là te donne un reference number. Reference number veut dire te donner comment un index number. Bon, on appelle le numéro 1 parce que dans la classe, si dans un seul élève, tu peux appeler le numéro 1. Si dans deux élèves, tu peux appeler le numéro 1, numéro 2. Si dans trois élèves, tu peux appeler le numéro 1, numéro 2, numéro 3. Mais à cause de ça, on appelle le numéro N. Numéro N veut dire sa file là sur index number, sur reference number ça. Ça, c'est file là sur location ça. Seulement, de place, ça coûte moi que file là sur location ici. On appelle le PAF. Ok? Comment dire, pour shortcut, comment dire, on appelle le PAF. Troisième paramètre. Il appelle file open mode. Bon, il y a plusieurs modes qui te peuvent ouvrir un file. C'est-à-dire, un file te peut ouvrir un lit. Si je dis ça, il y a plusieurs modes. Je vais mettre point. C'est-à-dire, te peut ouvrir un file comme output, comme random, comme input. Mais ici, dans ce cas-là, il peut ouvrir sa file là comme output. Voilà, il peut ouvrir sa file là comme output. C'est-à-dire, si tu ouvres un file comme output, c'est-à-dire, tu peux pas mettre des états là-dedans. Correct? Voilà. Allez, je reprends. Je crée un menu. Correct, ça, mon menu. Et dans mon main programme, je rentre dans mon main programme, j'appelle menu. Je vais dire menu paraître. Et te dire, je vais choisir une option. Mettons, je vais choisir première option. Enter data in the file. Je vais dire, X pour gagner une valeur. Il pourra N, 2, 3, 4. Mais si X gagne une valeur N. Si X gagne une valeur N. Et je vais call ce sub-programme qui appelle file output. Là. Il peut aller dans file output. Et je vais rentrer dans file output, ce sub-programme là. Qui est pour faire la première affaire? Il peut ouvrir un file là. Mais c'est moi dans qui mode il peut ouvrir un file là? Dans output mode. Qui veut dire output mode? Je vais dire ouvrir, il peut quand même mettre des data. Mais c'est moi dans sa commande qui appelle file open là. Tu veux dire connaître sa commande là. Il y a trois paramètres. Numéro 1, ce reference number file là. Deuxième, file là sur PAF avec ce location. Numéro 3, troisième option, troisième paramètre, c'est ce mode. C'est-à-dire reference number, PAF avec ce mode. Dans ce cas-là, ce file-là, ce reference number est 1.
So path lead à C drive. Voilà la C drive. File là, lila. Et là, la C drive. Non, pas lila. Pense à ça. La C drive. File là, lila. Il appelle file. Et on a l'IP dans l'onglet. L'IP.txt. Voilà. Maintenant, ça, c'est de nous finir ouvrir file là. Mais juste nous ouvrir là. Tu pas faire non rien. Maintenant, de dire user là. Enter text. You want to input in the file. Là, je vais demander qui t'a envie de mettre dans le file là. Ok, je vais dire user là, chipé. Qui t'a envie de mettre dans le file là? Et user là, chipé. C'est ma ça console dans le read line. Line 2 pour gagner valeur. Et ça, comment la print line, qui lui fait? Print line, il prend tout ce qui te peut chipé. Il y a voulu dans le file numéro 1. File numéro 1, c'est sa file là. Voilà. Je veux dire, tout ce qui te peut chipé, il prend dans line 2. Après, il peut mettre dans le file là. Après, il faut close sa file. Get command pour close file. File close. File command pour open file. Là. File open. Allez, pense-toi comment dire depuis ouvrir Pringles. Gâteau. Allez, ça te ouvre Pringles là. Là, qui te peut faire? Tu peux mettre gâteau dans la boîte là. Ok, ça commande pour mettre gâteau dans la boîte là. Ça te ferme boîte là. Alright? Allez, maintenant, nous pouvons tester. Alright? Voilà, nous pouvons tester le programme là, nous pouvons mettre qui sont dans le file là et nous pouvons tester si le file là peut marcher. Nous rendons le wild là. Bon, il y a un erreur qui est rien là-dedans. Un debug, would you like to continue running that? Mettons si vous mettez nous. Est-ce qu'il dit à moi? Non, il n'y a pas de diamant qui est rien, non? Allez, pas grave, nous rerunnons. Allez, nous rerunnons. Maintenant, nous choisir la première option. Voilà, première option. Il y a moyen de première option. Attends, il n'est pas bon là, il y en a qui se pas de marcher là. Ok, nous guettons un coup. Ouais, qui fait pas de marcher, je pense. Il y a trop pour N là, pourquoi ça N là, tu veux tirer là. Ok. Je pense là aussi, il y a une minute. Pourquoi il y en a qui se un peu en plus là. Ré, diamant, Diafo. Diafo. Dis bon là, allez. Tiens, ouais, tiens, pas d'erreur là dans mon corps ici. Maintenant, je vais rendre ni pena aucun erreur. Maintenant, je vais choisir numéro N. Numéro N, qui est pour faire? Enter dans la file là. Allez, right. Je vais choisir. Get là, il est intéressant. Et j'ai enter et texte. Sa texte qui m'a bouti là, il pour rendre la file là. Et nous parlons pour vous autres qui voulez même lui rendre la file là. Je vais dire hello. Hello, students. Ça, c'est texte qui m'a bien. Ah oui, how are you? How are you? Voilà, hello student, how are you? Je vais enter. Correct? Mais, enfants, moi, je vais faire texte là qui ferait même des talents rentrer là-bas. Nous allons faire un coup. Pas. Il n'y a pas un coup. Pas grand. Allez, nous rentrons dans la file là, nous allons faire si vrai même des talents rentrer là-bas. Voilà, nous allons faire la file là. Vous avez trouvé? Bravo, un petit félicitation. Qui l'a nous mis des talents, vous avez trouvé des talents rentrer dans la file là. Ça n'a pas. Ça n'a pas trouvé, diamant. Il est correct là? Allez, je reclose file là. Je refais test là pour vous. Je vais dans VB. Je stop. Je rerun li. Allez, pour que ça n'a pas compris, il est capable de diamant là. Hein? Bon, dans mon main programme, get dans mon main programme là. Qui lui fait? Il call display. Ça display là, qui lui fait? Il appelle ça. Ça display là, enfant, il appelle ça menu là. Ça menu là display avec 5 options. Main menu, enter data, read data, append, search, delete. Et il dit enter choice. C'est moi les enter choice paraît. Faut dire retourner dans main. Là, tu peux chipper à faire X pour gagner sa valeur là. Il dit si il N, il pour appeler ça. Là, mon log N, c'est là, mon log file output là. Ok, et là, il pour rendre le file output, commande qui plie pour comprendre le file output, il rentre. C'est ouvrir file là. Et là, nous ouvrir file là, allez la dernière nous close. Mais qui fait nous ouvrir file là? Pour mettre data. Et comment pour mettre data? C'est print line. Print line, il met data. Ouvrir file, close file. En dedans, nous pouvons mettre data dans file là. Mais qui data nous pouvons mettre? Ce qui nous peut dire user là. Mais dire user là, enter to data. Il y a user là, enter data. Line to get. Oui. Est-ce que vous avez écrit pour print line là? Oui. Pareil comme alors, on t'a tiré une commande write line, modifie. Allez, pose question. Write line, let's écrire write line. Code ça output là, allez. Tout ce qui t'a écrit dans write line, code y aller.
Letter fait right line, mais tu fais y'a dans l'écran. Tout ça fait qui te fait right line. Y'a dans l'écran. Regarde la console de right line. Y'a te dit right line. Ça, ça fait là paraître dans l'écran. Est-ce qu'il te comprend? Oui. Allez, right. Mais letter dit print line. Ça va aller là. L'ipoil dans numéro N. Mais numéro N là qui était ça. Numéro N là qui était ça. Li sa file là. Si tu pas bien comprendre, moi, réjouis toi. Print line. Regarde là. Console de right line. Tout ce qui est écrit là, il paraît dans l'écran. Let's run. Mais let's dire print line modifie. Ça, ça fait là. Il poil dans numéro N. Mais numéro N, qui était ça? Numéro N, c'est N file. Ça file là, ça regarde là. Ça. Je veux dire, il n'y a pas poil dans l'écran. Mais il poil dans sa file là. Tu as trouvé la modifie? Il poil dans sa file là. Mais rappelle bien, nous revenons avec nos bébés. Veux dire, regarde là, m'ouvrir file. Et là, qui m'en fait? M'en close file. Bon, qui file m'en ouvrir? File numéro N. File close, qui m'en fait? M'en ferme file numéro N. Mais l'air m'en ouvrir et l'air m'en ferme, au milieu qui travaille, m'en fait la file là. M'en print line. Print line veut dire mettre data dans la file là. Bon, qui data m'en mettez dans la file là? Le file là, c'est file N, même ça. Mais qui data m'en mettez? Line 2. Mais line 2 qui était ça? C'est ce qui te bout chipé, console de reline. Pas comprends? Je pas comprends. Comprends. Ça va? Correct. Allez, mon run programme là maintenant. Mais mon run programme là, je choisis la première option. Enter data in the file. Correct là? Allez, les rentre dans Enter data. Mais comme tu dis là, qui dit user là? Il dit user là comme ça. Dis-moi qui t'a envie de mettre dans la file là. Allez, moi je dis aller comme ça. Welcome to this class. Welcome to this class. Ok, mon envie est clair. Class, C-L-A-S-S. Je vais dire welcome to this class. Je vais enter. D'après toi, qui pourra arriver où est-ce? Je vais dire que tu ouvres sa file N là. Et l'indimenteur qui t'a envie d'écrire la file là, oui, tu écris la ligne D. Et la ligne D. Qui te fait avec sa commande print là, tu as envoyé la file N. Après, qui te fait? Tu fais un file N. Veux dire, si je ouvre un file N, ouais, là, je vais ouvrir un file N. Qui te peut trouver en dedans d'après toi? La ligne D. Mais c'est moi dans la ligne D qui te fait écrire. Welcome to this. Voilà, nous avons un coup de livré à ça. Nous ouvrons un lit. Voilà, Waïda, mon prouve-toi. Est-ce qu'il te comprend? Allez, nous reprends-le. Veux dire, je vous dis qui te peut en prendre. Tu peux en prendre des affaires bien intéressantes, Waïda. Tu peux en prendre qui te capable d'avoir un file de ton hard disk. Correct? Fait que moi, tu peux craquer un file. Sa file-là de hard disk, à travers ton VB, tu es capable de mettre des états dans sa file-là. Ça te en prendre. Sa file-là, il est dans Notepad. D'accord? Veux dire, si tu en prends ça, ouais, dans n'importe qui file, tu peux ouvrir. Si tu as envie de craquer un password, tu peux ouvrir une file, tu peux mettre des états de file, tu peux lire des états de file, tu peux faire beaucoup de choses. Alors, il est bien puissant ce qui te peut en prendre. Et parce que ton VB, qu'est-ce que ça? Ton VB, ce qui te peut en prendre, il est capable d'ouvrir n'importe qui file de ton computer. Et comment pour ouvrir n'importe qui file de ton computer? C'est file open. Est-ce que tu bien comprends? File open, c'est une commande bien puissante. Et comment il a ouvert n'importe qui file? Tu as besoin d'un file là, un reference number. Tu as donné numéro 1, numéro 2, numéro 3. Il y a le SCAD 255 d'après moi. Les là, déjà, tu mets le file là, ce nom, ce POF, de ton hard disk qui t'a envie d'ouvrir. À cause ça, on appelle ça POF et POF, on appelle le un string data. C'est moi, si tu pas tu mets POF ici, ouais, là. Qui te tu vous a mis? Tu as copy, P100. Et là, copy, la place POF, moi, je vais direct. Je veux dire, le deuxième paramètre qui m'a besoin de dire. Premier paramètre, c'est reference number file là. Pareil, comment dire, c'est index number. Deuxième paramètre, je vais mettre file là sur location avec ce nom. Correct? Et troisième paramètre, je suis capable d'ouvrir file là dans plusieurs modes. Ici, je vais ouvrir dans mode output. Mais est-ce qu'il y a encore un mode capable d'ouvrir un file? Oui, à peine. Input, random. Il y a plusieurs options. Mais à ce moment-là, je vais ouvrir file là dans output mode. Qui fait que je vais ouvrir file là dans output mode? Parce qu'il a ouvert un file dans output mode, tu es capable de mettre des data dans sa file là. Si tu ouvres un file dans input mode, tu es capable de lire des data dans la file là.
Si tu ouvres une file append mode, tu es capable de continuer à écrire sans overwrite. Bon, tu as l'air pour expliquer un peu. Bon, la commande qui est bien pour toi, bien content sa commande là, une commande bien, bien extra intéressante pour aider à en prendre, c'est file open. Et file open, il y en a trois paramètres là-dedans en prendre. C'est reference number, path avec mode. Et dans ce cas-là, les ouvrir file, rappelle bien, tous les temps les ouvrir file, nous faisons la bonne manière, dernier lien nous pouvons aller, nous faisons close file là. Qui fait limite numéro 1 en dehors ou aider? Parce qu'il t'a ouvert file 1 et qui file nous faisons close? File 1, tu ouvres file 1 et tu close file 1. Est-ce que tu comprends un bout de là? Allez, mais c'est moi au milieu qui te fait. Qui fait que tu écris sa commande là? Les tu ouvres, tu mets tes affaires dans file là. Qui te écrit? Line 2. Mais line 2, c'est ce qui te boutique. Console de read line. Tout ce qui te boutique, tu prends dans line 2. Et line 2, tu peux avoir dans file 1. Tu comprends? Les tu close file là. Mais tu ouvres file, tu mets des data dans file. Et tu fermes file là. Trois commandes bien importantes de prendre. File open, print line, avec file close. Si pas ne comprends bien. Oui. Mauvais fait, il y a. Mais j'avais file open. Right, j'aimerais te faire, il te gagner. Qui est te gagner? Jumbo. Moi, je vais faire ça numéro 1 pour m'écouter. Allez, mais. Je vais cracher, mais j'aimerais. Make sure you have sufficient privilege to access this resource. Allez, vous pensez, moi, Eric, qui te peut capable de gagner, ça a de la mon C drive. C drive, normalement, il est pour moi. Moi, j'ai tout mon data dans mon C drive. Je suis capable d'ouvrir mon file dans C drive. C'est moi, si tu mets ton file dans une autre partition, quand il y a un password là, tu vas pas ouvrir lui. Il y a de la mon ouvrir mon file. Mais si ça file là, tu crées dans Notepad, ça. Tu connais comment créer file dans Notepad. Voilà, il est dans Notepad. Oui. Tu ouvres, tu fais file save. Tu finis de créer file là, tu gardes, tu laisses les blank. Et là, j'ai ouvert file là, donne-moi bien. J'ai ouvert file là dans Notepad, j'ai fini de créer une file, j'ai donné ce nom. C'est moi qui ai besoin de mettre .txt. Et là, j'ai save. Est-ce qu'il y a des data dans file là? Diamant, il y a des data ou ça peut y avoir des data dans file là? Non. Non. À ce moment, moi, j'ai créé un programme dans VB pour capable ouvrir sa file là. Ça même mon travail. J'ai créé un programme dans VB. Correct? Et quel est mon programme dans VB là? Correct? Bon, ça menu là, tu me expliques les livres, ça tous les livres, tu me connais comment faire un menu. Et là, tu as dit enter your choice. Correct, ça tous les enfants connaissent. Mais c'est moi, lire, il choisit N, il peut appeler file output. Moi, mon travail, c'est pour expliquer toi qui veut dire file output là, c'est un sub-programme. Le file output là, il rentre, il ouvre file là. Commande pour ouvrir file là, c'est file open. Ça pas qu'à changer, vous avez écrit pareil ça. Et en dans lit, tu peux avoir trois options. Bon, ça, ça va faire 400. Il va mettre number 1, number 2, number 3, depuis 255, il va mettre. Mais c'est pas si il met number. Je vais mettre number 10 là, d'après toi. Sinon, il va mettre number 10. Ici aussi, il va mettre number 10 parce qu'il est ouvert file numéro 10. Il va écrire la file numéro 10 et il va close file numéro 10. Ce qu'il est ouvert. Tu peux comprendre, ce index number, ça reste pareil. Bon, moi, je vais mettre N qui fait parce qu'ici, il y a N enfants dans la classe. Il y a un index number N. Il y a deux jeunes enfants, il y a un, là, l'autre, D. Il faut aller comme ça. Mais rappelle bien, commande qui est bizarre, connaît pas, ok, peine à soi, c'est ça la ligne là. File open, ouvert bracket, il est là au milieu. Tu mets un reference number. Ce reference number là, il y a un number 1, number 2, number 3, tu vas aller jusqu'à 255. Deuxième, tu as écrit un file là avec son nom, avec son directoire. Bon, moi, je m'appelle l'IPOF. Une minute, nous restons. Donc quand vous avez reconnecté. Allez, tous les enfants bien connectés là, reconnectés. Vous mettez vos potes à bord, toi. Allez, gardez bien. Regarde là.
Allez, c'est une rentrée là. Allez, si tu une rentrée, nous continuons nos classes. Rentrez, rentrez, tous enfants rentrez. Allez, là, c'est une rentrée. Allez, tous enfants rentrez, nous continuons à expliquer. Je gagne droit pose question. Je peux faire false. Allez, Alex, c'est une rentrée, moi, trouvé. Allez. Bon, l'objectif, je vous dis, c'est ouvrir une file et mettre des états d'une file et montrer. Je vais marcher. Pour les élèves qui n'ont pas pu marcher, je vais envoyer moi, je vais code, je vais débugger, je vais réavoir les autres. D'accord? Pas besoin de casser la tête si le papa est marché. Je vais t'envoyer moi, je vais débugger. Je vais réavoir les autres. Allez, la plupart des élèves finissent rentrer. Hein? 22 élèves finissent rentrer. Maintenant, je vais continuer à expliquer. Si je finis de comprendre, je vais dire, monsieur, je finis de comprendre, car elle dit l'avant. Si pas comprendre, je vais dire répéter. Allez. Maintenant, écoute-moi bien, bien, bien. Je vais écrire un menu, là, les enfants. Je vais plusieurs options, là. Je vais mettre des états dans la file, là. T'as l'air qu'ils vont faire. Je vais tirer des états dans la file, là, je vais lire. T'as l'air qu'ils vont faire append. Après, ils vont faire search. Après, ils vont faire delete. Mais à ce là, un seul mode récifier. Qui mode récifier? Ouais, d'accord. Laquelle mode récifier, là? Je vais me prouver. Mode récifier quoi? Qui mode récifier pour ça? Mode récifier, un tel état dans la file, là, modifie. Comment on prouve ta mon état d'état de file là? Get file là, get bien moi je suis. Get file là, là, dans notre part, mon créer un file. Tu as créé un bout qui file toi. Get mon ouvert file là, get pain dans l'état de file là, get file là vide. Allez, get it. File là vide. Tu es d'accord avec moi là? Allez, je suis en train de créer un file dans notre part, je save là, des bouts qui drive, qui location, je get it que tu as envie save. Allez, mon close file là, pain dans l'état de file là, correct. Mon ouvert, mon VB. Mon pour tester sa partie là, là. Correct? Bon, dans mon VB qui lui donne moi, il donne moi une option. Il donne moi combien d'options? Allez, get mon run li là. Get la modifié. Mon run li. Il donne moi 5 options. Enter data, read data à peine. Allez, qui option ça serait? Premier là. Parce que premier là, moi, je finis faire. Allez, les mots rentrent dans la première option. Qui lui dit moi? Enter, quelque chose qui t'a envie de mettre dans le file là. Enter, text you want to input in the file. Allez, moi, écrit I want. Attends, mon bien écrire. W, E, N, T. I want to enter. I want to input hello. Ok, allez, mon pays enter. D'après toi, qui peut arriver Waida? Ça texte là, il vous prend un lit, il vous met le file là. Allez, mon pays enter. Astéa, get la Waida. Moi, le file là, me prouve toi qui da file là, qui choisit une rentrée, get la file là. Vous ouvrez un lit. Est-ce qu'il est d'accord avec moi si qui mon enter là-bas une rentrée de file là? Is it not amazing que ton VB est capable d'ouvrir un file dans Notepad et tu peux capable de mettre des états dans le file là, Waida, sans jamais te faire avant si tu regardes bien. Jamais nous faire. Et ça fait que ton panel est bien puissant. Je veux dire, il est capable de lire n'importe qui file de l'ENA. N'importe qui s'en a envoyé un mail. Tu peux lire un mail là, tu peux checker si il y a un seul mail là, virus, l'autre. Tu peux crack un code. Tu peux ouvrir n'importe qui file, external file, qui trouve dans ton hard disk. Et tu es capable de checker toutes les affaires là-dedans, mot par mot, tu es capable. C'est le travail que nous allons faire. Bon, Waida, c'est moi explique toi le code là, si tu ne peux pas comprendre, dis-moi. Ton menu ne paraît, tu dis que tu as your choice. Voilà. Il te rend dans main, menu paraît, c'est ça, commande. X gain valeur. Si X li 1, il rend dans file output. Mon log, ça file output là. Allez, la file output là, il vient là. Commande qui te n'en prend dans ce là, c'est open file. Il y a trois paramètres que tu n'en prends. Ok, open file, il y a trois paramètres. Tu donnes file un reference number, tu donnes ce path, tu donnes ce mode. Et ce mode, dans ce cas là, il y a output. Output veut dire mettre des états de file. Et il est là, tu as déjà user là. Ça, la ligne là, il y a déjà user là. Dis-moi qui t'a envie enter.
C'est la ligne tout gain valeur. Mais comment plier pour autant dans file, c'est print line. Print line, il prend sa ligne tout là, il met dans file numéro N. Il est fini mes data dans file là qui te fait te close file là. Les data retourne dans ton main menu. Bon, mon fini explique toi ça. Si p la question. Oui, pose question. Si n'est pas un file close, il est oui, si ce n'est pas file close, il vous save. Il vous save. C'est lui, il vous marche. Mais c'est mal, il y a une bonne manière de finir faire ton travail, de filmer des états. Parce que si tu filmes des états, là, là-bas. Mais si tu n'es pas close, il est capable de corrompre après. Vaut mieux être ouvert, une affaire, de mettre quelque chose là-dedans et de close. Li. Ok? Allez, get sa code là, mes enfants. Pratique-le, écoute, là, moi, pour expliquer comment lire des états de file. Et donne-moi une minute, je vais faire un petit travail pour revenir là. Get code là, et pratique-le, et nous allons commencer à marcher. Une minute, je vais continuer à expliquer là. Ok, mon mute, mon micro, parce que je vais faire un petit travail, je vais regarder. Ok, une minute. Allez, nous allons continuer à expliquer. Get code là, c'est moi. Get code là, et vais, tout de suite, je vais là. Hein. Allez, right. Voilà, ça c'est code là. Et je vais ouvrir mon VB. C'est moi, je vais tester, je vais prouver que c'est livré. Et ça va nous
Allez, ça va. Allez, nous continuons de la même là. Je ne gagne pas programme là. Bon, un mute là, moi un mute, je vais t'en moi là. Ça n'a pas la même. Enfin la même, non. Allez, une minute, nous gagnons Simon. Allez, correct. Maintenant, nous vous prenons deuxième partie. Deuxième partie, j'ai besoin de dire à moi qui me voit le faire là. Allez, dis-moi qui me voit l'expliquer. Qui m'a fini d'expliquer. Enter des états d'affaires, m'a fini d'expliquer. Est-ce qu'ils sont d'accord? Mon ouvert file, m'a mis des états, oui ou non? Mon fini faire ça, mon fini expliquer, oui ou non? Ah, personne ne va répondre. Oui. Astère, qui m'a pas le faire? Diamant deuxième d'affaires, qui m'a pas le faire? Ah, oui, Waida. Nous pouvons faire read data file. Allez, Waida, get bien mon coding là. Mon vin là. Qui m'a vous faire? Qui m'a vous faire ici, Waida? Diamant, mon fils. Confirm. Rediamant? Confirm input. Ouais, call file input. Mon log li. T'as là mon petit comment li là. Astère, mon log li, mon fils. Si mon log li, Waida, qui m'a vous faire sa coding là? Passi, passi. Passi, ouais. Allez, Astère, get mon pour écrire ce coding là. Sati file output ça. Astère, mon bizarre écrire file input ce code. Correct? Mon vin là-haut là. Mon vin là-haut, file input ce coding. Dis-le là. Right. Ça. Voilà. Mon copie ça. Et moi, envoyer ça dans mon bébé. Astère, analyse ce code là. Qui est-ce qui analyse ce code là? Diamant qui dit pour faire. Mon déjeuner donne des 3 minutes là. Analyse ce code là. Diamant qui dit pour faire et qui m'expect faire. Allez, me pose question là, hein? Bien sûr, me pose question. C'est moi ça que les enfants bien analyse ça code là, me pose beaucoup question. Mon fini avec un code là, et j'ai besoin de dire moi qui diffère. Allez, analysez pas pressé, moi donne 2 minutes. 2 minutes, tous les enfants me pose question là, me regarder que ça est online, et j'ai besoin de dire moi ça un code là qui diffère. Thank you.
Oui, allô, allez, nous expliquer, Esther. Je suis là. Allez, un enfant, réponds-moi. Réellement, les bien, bon, les enfants, ils disent, allez, à pour tes affaires. Oui, lui a pour tout ce qui est dans la faille là. Correct? Voilà. Une minute là. Hein? Et maintenant, qui m'a offert? Écoute-moi bien. Mon rendez-lui avant première affaire de la faille là, mon mets data là. Correct? Mon rendez la faille là, mon mets data de la faille là. Correct? Mon mets data de la faille là. Correct? Allez, pas écrire dans l'écran, nous finissons une fois. Nous mettons number 1, number 2, number 3, number 4, number 5. Allez, nous save-lui. Voilà, nous save-lui. Maintenant, qui nous expect? Nous close-lui. Ok? Là, nous run-lui. Voilà, nous run-lui. Et là, nous devons une erreur, attendez. Une erreur, c'est bon. Nous devons corriger l'erreur. Numéro 2. Bon, une erreur, là. Nous devons corriger l'erreur. Attendez, nous devons input. File input, loop. Ok, nous devons corriger cette erreur, là. Continue arrière là, display, file open, input mode. Bon, il y a arrière parce qu'il est après line, la line n'a pas défini à mon corps. Ok, je vais dire que je viens là, je crée line. Voilà, line. Je vais rerunner. Je vais rerunner, ça ne ferait pas de arrière, c'est trouvé. Et numéro 2. Voilà, bravo, félicitations. Qui n'est arrivé? Diamant, 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 enfant, qui n'est arrivé? Qui n'est arrivé d'après eux? Qui nous a testé là? Allez, dis-moi vite, qui veut comprendre, qui l'a testé? L'in lit à tout ban donné qui est dans la file là, l'in a apporté dans l'écran. Mais comment l'in fait ça? Get mon file si là, ok? Get mon file là, si je ne comprends pas ce que je dis. N'importe qui a fait mon chipé, mon in a la file là, sa programme VB là, il y a allé, il lit à l'état de la file là, n par n, tout ce qui est là-dedans, il fait une loop, il lit à tout ce qui est là-dedans, il tire, il y a apporté dans l'écran. Get console dans le right line, il y a output de l'écran. Mais qui commande à lire la ligne pour la ligne de ton file? C'est line input. Line input depuis la file 1. Maintenant, vous pouvez expliquer dans la commande qui est important. Bon, si tu as envie de manger gâteau Pringles, tu connais Pringles? Allez, tu as envie de manger gâteau dans sa boîte qui appelle Pringles. La première affaire qui vous a fait, c'est la carte de ma voix idée à qui tu as besoin de faire? Oui, tu as stérile, tu n'as pas un assez d'amener une de ta boîte là. Qui te fait la première affaire plutôt qu'à manger sa gâteau là en dedans? Alors là, mon petit fille, tu nous veux la boîte là. Ça commande là qui veut dire? Ça faut voir là, tu open. Ouais, tu nous veux la boîte là. Et boîte là, tu donnes une référence number 1. Ça, c'est son PAF. PAF là, c'est file là, ce nom là. Correct? Et dans qui mode tu nous veux? Pour te faire lire des états, tu as ouvert dans mode input. Si tu as envie d'écrire des états, tu vas ouvrir dans mode output. Mais dans ce cas là, tu vas ouvrir dans mode input. Input veut dire que tu peux lire des états de la file là. Est-ce qu'il m'a expliqué ça comment là? Oui. Je veux dire que tu es ouvert. Mais si tu es ouvert, tu as l'air d'un l'air qui te vous faire. Faire? Ouais. Qui fait ton écran numéro 1 en dehors? Ouais, qui fait ton écran numéro 1? Bien, bon, mon petit. Bien, bon, mon petit. Ça, des affaires là, tu ne finis pas comprendre. Ça, des commandes là, mon pensée, tu ne finis pas comprendre. Maintenant, laisse-toi nous ouvrir, tu ne fermes, tu ne ouvres boîte gâteau, tu ne fermes boîte gâteau. En dedans, qui te ne ferme, mon petit? Tu ne manges gâteau? Mais comment tu manges gâteau? Un seul coup, tu as quand même tout dans la bouche. Qui te ferme, mon petit? Ah, bien, bon. Get là, sa même commande qui te peut trapper un gâteau, te peut tirer un gâteau, te peut tirer un Pringle. Ça m'appelle ça line input, depuis dans file là, file 1. Veut dire te peut tirer un Pringle gâteau depuis dans file là. Et te peut avoir une variable line 1. Line 1 là où mon fini, line mon fini déclare. Li. Et là, tu finis avec line, te peut output li dans l'écran. Est-ce qu'il te gagne comprendre bout là? Veut dire sa bout là, veut dire tirer un gâteau là depuis dans boîte, pose li là et avoir li dans l'écran. Dis bon là? Oui. Astia, tu dois répéter ça jusqu'à quand? Do while not. Not. IOF qui veut dire?
parfait. IOF qui veut dire? End of file. Oh. D'accord? Ok. C'est not end of file. Donc, tu pas arrivé la fin de... Qui fait de mettre le numéro N là? Ouais, donc tu n'as pas arrivé la fin de file N. Qui te peut faire? Tiens, gâteau manger, il a gâteau. Tiens, gâteau manger, avouez de l'écran. Tiens, gâteau manger, tiens, gâteau manger. Tu n'as arrivé la fin pendant un an et deux boîtes. Parce que si tu fais une boîte, pas de comprendre. Allez, bon, redire. Ça, ça programme là, qu'il peut faire? Il peut tirer tout le texte qui est dans la file là, la ligne par la ligne, il peut display dans l'écran. Est-ce qu'il te comprend? Oui. Allez, right. Mais comment il fait? Il a ouvert un file. Et derrière, il a fait un file. Et ordre, la ligne par la ligne, jusqu'à ce que tu arrives à la fin des files là, tu pas arrives à la fin des files là. Ça commande, lire la ligne par la ligne, envoyer-le l'écran. La ligne par la ligne, envoyer dans l'écran jusqu'à ce que tu arrives à la fin des files là. L'air de faire un file là. Bon, vous bon, faire démonstration là-dedans. Allez, qu'est-ce que faire démonstration? Pour faire démonstration, pour prouver toi qu'il est vrai, vous venez de sa file là, allez là. File là, mon sens qui chose là-dedans, qu'est-ce que tu as, mon sens lit. Vous mettez 10. Oui. Là, vous mettez 20. Vous mettez 30. Vous mettez 40. Vous mettez 50. Vous savez file là. Mais c'est moi, vous avez close file là. Qui fait vous avez close file là ici, dis-moi. Parce que VB là pour. VB pour l'ouvrir. Mais si file là déjà ouvert, le VB pour l'ouvrir, vous dites file already open. À cause ça, vous avez fait un file là. Moi, vous avez accès. Quand vous êtes là, que l'un peut faire ça, erreur là. Comme ça, vous peux faire erreur. Quand un file là déjà ouvert, et il peut redaxer. Tu as fait suivre classe. Allez, pas grave, pas grave. Non, bisous, Vini. Eh, hey, Fafa, bisous devant moi là. Ouais, bisous, Vini devant moi là. C'est pour être pas bon, les médias. Allez, pas faire de part de lit. Le tu te rends dans la classe là-bas. Oui, classe online, mon gosso. Il te vient de finir devant moi. Tu pas qu'il y a trois sorties de haut là. Confinement, madame ramasse ça. Allez, mon basine en lit là. Allez, mon basine en lit, bisous. Allez, 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 bisous. Allez, nous continuons. Nous continuons nos classes. Vous êtes camarades, si Vini là, il m'a moi. Allez, pas grave. Fanfan, ce camarade, ça bisous. Allez, nous continuons. Allez, bonnes enfants, veut dire nous ouvrir file. Waïda, nous lire la ligne par la ligne, Waïda, nous envoyer dans l'écran et nous fermer. Maintenant, nous pouvons faire cette démonstration, Waïda. Et nous montrer toi qui nous prend file là, get file là, Waïda. Get là, nous ouvrir file là. Et il y a 10, 20, 30, 40, 50 de file là, whatever nous mettons, nous close file là. Maintenant, nous venons de VB, nous run li. Allez, run li. Ok, nous run li. Qui option nous choisir, diamant? Très bien, Waïda. Qui fait un D? Parce qu'il ne peut lire des états des bidons file là. Est-ce qu'il est d'accord? Et qui fait pas avec là? Qui est arrivé là? Ouais, option D. Voilà. Tu comprends? Parce que option N, une fille. Option D, Waïda. Congratulations. Très très bien. Qui est arrivé? Diamant qui est arrivé. Résultat qui est donné? 1345. Ouais, si tu es là dans le file là, il lit automatique. Mais si tu as un dictionnaire dans le file là, fais un dictionnaire, tu ouvres un dictionnaire. Et tu peux lire tout le mot dans le dictionnaire là. Et si tu as envie de craquer un sur password, tu prends tout le mot dans le dictionnaire et tu compares lui avec sa password, du sur password, et tu finis craquer un password. Mais tout le mot dans le dictionnaire, tu prends du de save dans le password là. Et tu finis craquer un sur password si ça met un mot qui existait dans le dictionnaire. C'est vraiment un hacker servi comme ça. Maintenant, Waïda, ce qui te comprend, tu as ouvert un file, tu as ouvert un file, lire la ligne par la ligne de file là, ferme un file là, tu as fini de comprendre. Mais les affaires qui sont importantes, tu as compris, ouvert un file, il y a trois paramètres là-dedans, trois qui choses. File, reference number, ce path avec ce mode. Et lire la ligne par la ligne, c'est ça, line input. Et lire la dernière lettre, tu fais un file là. Mais qui fait un loop là, Waïda? Je vais demander une question. Qui fait un loop? Ouais, parce qu'il y a un file là, tu prends la ligne par la ligne, tu peux lire la ligne, deux la ligne, trois la ligne, jusqu'à la fin de vous lire tout de vous display dans l'écran. Est-ce qu'il te comprend? Correct? Bon, quand on continue. Maintenant, il y a quelqu'un qui a envoyé un message, mon corps, je vous fais un papier d'examen là, entièrement, mais seulement, nous avons complété cette explication là, surtout nous faire pratique. Il y a un message, nous avons un message là, écoute. Line date expiration. Qui veut dire ça? Line date expiration. Ouais, il y a une question d'examen là, nous vous faire là. Mais c'est moi ce bétonnement, bien enfant. Oui, monsieur. Allez, carré, écoutez là. Hein? Oui, monsieur. Allez, nous continuons. Maintenant, ce qu'il va vous dire,
nous get l'autre option. Allez, voyez d'abord pour dire master. Là, nous enter data dans file, nous finis expliquer, nous met data, nous prouve ça. Là, nous lire data depuis dans file, là, nous prouve ça. D'accord? Astia, il y a une affaire qui est importante. Qui veut dire à peine? À peine veut dire d'enfant ou mettre data dans file là, mais c'est moi ou pas perdu en chair data dans file là. Correct? Ou pas perdu? Ou continuer à ajouter. Ça veut dire à peine. À peine veut dire add without overwriting the previous data. Bon, à peine si tu veux bien, il vous paraît comment enter data dans file là. Il vous paraît, tu veux enter data. Mais c'est moi le enter data, il override sa ancien data là. De à peine il pas pour override, il vous continue à ajouter. On vous explique cette affaire. Get dans l'exemple là. Si je choisis le numéro N, ok, mettons que je choisis le numéro N, enfants. Et mon enter data, je vais hello. Qui est arrivé? Dans la file là, tout le data qui tient avant, il finit à aller. Get je choisis le numéro D, c'est ça. Je devais le numéro D, il m'a hello. Je veux dire, avant de faire la tienne à qui seul, il override li. Ok, le numéro N, là, il peut override. Get moi rerun li. Je choisis le numéro N, mon enter data, je vais Mr. Rada. Correct? Qui est arrivé à ce terme? Je choisis le numéro 2. Il a dit Mr. Rada là-dedans. Mais hello là, il finit override. Il n'y a pas de garde hello là dans la file là. Je veux dire, si je choisis le numéro N, enfant, tout ce qui tient dans la file là avant, il finit effacé. Mais je ne suis pas content, ça m'a envie. Ce qui tient avant reste là-bas et je continue à ajouter. À cause de ça, je peux faire troisième option, enfant. Troisième option, c'est à peine. Pas perdu dans le previous data et continuer à ajouter. Est-ce qu'ils ont bien compris? Maintenant, ce coding, je vous montre les autres. Il vous paraît comment input. Non, il vous paraît comment mettre data, mais seulement, il n'est pas pour override. Allez, je vous montre les autres commandes là. Je vous montre les autres commandes là. Ouais, voilà. Commande là, je copie. Right. Si je ne pas comprendre de dire, je copie ici. Et là, moi, vous voyez là-haut, là. Voilà, ça c'est à peine. Voilà, mon métier là. Allez. Correct, ça c'est à peine. Allez, suivre. Et dire-moi, si je ne pas comprendre, ça c'est à peine. Maintenant, pour à peine marcher, qui m'a besoin de faire? Vine dans mon menu. Allez, voyez, dire-moi, qui m'a besoin de faire ici? Call file à peine. Ici, comment? Est-ce que besoin de l'angli? Tu comprends? Mon l'angli là. C'est un moving gate là. Si tu gagnes bien, à peine il paraît comment mettre des data dans la file là. Veux dire, pour te mettre des data, tu as besoin d'ouvrir la file là. Bon, tu ouvres la file là, regarde là, mon ouvrir la file là. File N, mon ouvrir. So, paf, même affaire. C'est moi qui ai ce mode, Waïda. Ce mode, ça va la censer. Divine à peine. À peine veut dire continuer à ajouter, mais pas delete ce qui tient ancien. Est-ce que tu as compris? Waïda. Oui. Maintenant, Astia, tu peux dire user là. Mais qui t'a envie à peine? Moi, je ne pas dire input. Je dire what you want to happen. Je dire à peine. Pour que vous compreniez, je dire à peine là. Je veux dire, il n'est pas pour perdre un ancien état de file. Il faut garder un ancien état là. Mais tu as envie. C'est moi, là, je peux garder dans l'autre variable line free. Je veux dire, je vais créer line. Une variable, je vais créer line free. D'accord? Et là, je peux prendre l'état là. Et qui commande mettre des data dans la file là? C'est toujours print line. Je vais print the line 1. C'est moi qui me vais mettre ce qui me chipper dans la line 3. Après, je close file là. Je vais dire, je vais ouvrir la file là. Je prends un texte. Je mets le texte là dans la file N. Et après, je ferme la file là. Bon, différence qui te peut trouver là, tu peux revenir à ce terrain là. Je peux choisir le numéro 3. Et je peux à peine. Je vais dire. Test, je me rappelle disons test 1. Je me pèse enter. Ouais, divine là. A ce terme, je vais dans le numéro 2. Le numéro 2 est là. Tu es dans Mr. Rada avant de faire là. A ce terme, test 1. Est-ce qu'il devait comprendre? Il n'y a pas de perdu ça, Mr. Rada là. Maintenant, je me pèse enter. Je vais réal dans le numéro 3. Qui fait mon choix de numéro 3? Je continue à peine. Allez, on peut run time là. Allez, je continue à peine. Ouais, là. Vous pouvez écrire test 2 à ce terme. Mais c'est moi de vous remarquer, test 1 n'a pas de delete. Je vais enter. Je vais choisir le numéro 2. Le numéro 2, c'est mon boulot, tout ce qui est dans la file là. Je trouve une affaire intéressante. Mr. Rada encore là, test 1 encore là, test 2 encore là. Il n'y a pas de delete. Il n'y a pas de override. Il continue à peine.
Bon, moi espérer que tu comprends ça mot à peine là, veut dire continue adding in the file sans les delete par ancien état là. Il pas delete par ancien état là. Il garde ça par ancien état là et il continue à ajouter. C'est ma ça à peine. À peine veut dire continue adding data. Continue adding data without deleting the previous data. D'accord? Ça c'est à peine. Maintenant, nous continuons à expliquer. Est-ce qu'il y a une question là à peine? À peine il passe par régulièrement. À peine là qu'ils a fait? Lui? On va pas trop comprendre. À peine là qu'ils a fait? Non, à peine. Tu connais, peine à mémoire là-dedans. Tout ce qui peut servir dans ton file. Sa file là-dedans, hard disk. Il là. Voilà. Dans sa file là, qui tout bande d'état là peut rentrer. Sa file là. Veut dire, si tu fais à peine, les consignes à ajouter en bas. Il là, ça veut dire à peine. Disons, tu mets test free. Ça veut dire à peine. À peine veut dire pas. Ça. Pas. Delete ban ancien d'état. Tandis que ta première option write, comment tu fais write? Regarde là, je vais bien me save là. Allez, me save. Regarde si moi tu choisis la première option write, dit pour delete tout ce qui est dans la file là. Regarde moi choisir la première option N. N. Allez, me dire hello. Regarde ce malheur qui est arrivé, me paye enter. Si me paye enter, regarde la file là, peine à rien à faire. Il pas à peine. Il delete tout ce qui est dans la file, il hello là. Sa différence est dans l'option N avec l'option 3. Option N, il delete tout le nouveau data. Option 3, il continue à ajouter le data, il ne pas delete le ancien. J'espérais vous expliquer. Et ça, tout cela peut dérouler dans une file. Ça. Et sa file là déroule dans sa hard disk. Quand vous regardez sa file là, tout peut dérouler là. Donc, VB peut accéder à sa file là. Maintenant, bon, pour expliquer une affaire un peu difficile, je ne connais pas si vous comprenez. Qui m'a pas expliquer à ce terme? Je finis par enter data, tous les enfants comprennent. Vous enter data. Right. Deuxième, nous lisons data de la file là. Troisième, nous append data. Quatrième, nous pouvons faire search à ce terme. Nous pouvons faire search. Search veut dire route data de la file là. Par exemple, si la file là, par exemple, la file là, moi écrire un Jimoun ce nom. Allez, moi écrire un Jimoun ce nom. La file là, moi écrire Anil. Ok, moi appelle Robin. Ok, moi appelle Rita. Etc. Et moi appelle John. Mais là, moi, je Jimoun ce nom. Computer là, pour finir, moi, c'est pas Jimoun là, l'idée de file là ou ça pas file là. C'est même qui m'a fait faire là. Nous pouvons log sa option search la quatrième. Mais c'est moi pour lire véritablement la file là. Pour guider ça du monde là-dedans, pas là-dedans. Qui vous a fait les enfants? Vous avez ouvert la file là. Vous avez lire la ligne par la ligne. Et vous avez guider si pas ça du monde là-dedans. Et là où ça paye. Est-ce qu'ils ont bien compris? Voilà. Bon, c'est tout bien suivi moi là. Nous parlons pour faire search. Diamant, c'est tout parlé dans le faire search. Ou ça non? Allez, pareil, search. Allez, search maintenant, nous log search. Search veut dire, vous avez ouvert la file là. Correct? Allez, nous get search and good, me copie li là. Là, nous fait papier d'examen là. Ok. Delete, code search là. Allez, là, search là. Allez, me copie sa search là pour vous. Et me pour expliquer vous si vous ne pas comprendre ce diamant. Voilà, nous copions. Voilà, search terminé. Correct. Maintenant, nous venons dans VB. Nous venons là. Nous faisons search. Attends, nous ne pouvons pas copier là. Il y a un petit problème de copier. Ça copie. Maintenant, nous venons dans VB. Voilà, non, ça nous faisait close, d'accord, ça nous faisait copier, nous faisait close. C'était nous faisait copier, voilà. Maintenant, nous vous expliquer search qui est arrivé. Voilà, nous vous expliquer search comment marcher. Et là, nous faisons papier l'examen, je vous comprends plus bien. Bon, file search, correct. Mais seulement, ce sera ça pour moi. Je vais vous dire là, on va log search.
Voilà. Quatrième option. Search. File search. Vous trouvez mon log là? Mon log là. Quatrième option. Et mon vin là-haut, nous devons faire search. Allez. Bon, là, nous déclarons une variable. Correct, nous déclarons une variable. Nous clear l'écran. Ça nous clear l'écran. Et un title paraît. This will search an item from the file. Et là, tu peux dire user là, enter search item. Dis-moi qui te peut dire. Ok, enter search item. Et là, user là pour chipper. Qui lui peut envie de mettons le numéro de John, c'est pas le numéro de Anil, le numéro de Rita. Ok, voilà. Maintenant, là, nous finissons un search item là. Ouais. Mais, Waida, tu peux donner moi? Waida, soit Fanfan. Allez, Fanfan ou Waida. Fais comment dire, tu as acheté un gâteau. Smarties. Correct? Un gâteau Smarties, là, ce sac-là, c'est file là. Est-ce qu'il te comprend? Oui. Allez, acheté un mauvais gâteau. Rot un Smarties couleur rouge là dans Waida. Comment tu veux rot un Smarties couleur rouge? Première affaire, qui te bizarre faire? Tu n'as pas acheté ça, un gâteau là, amené pour toi, ça c'est là. Qui te bizarre faire, première affaire? Ah, très bien. Là, ça commande là, fait à ouvrir ça, c'est là. Mais dans qui mode tu nous ouvres? Rappelle bien. Qui fait à écrire ça? Input. Input, il est capable. Ouais, lire. Tu peux lire la ligne, pas la ligne modifie. Et ça, trois paramètres là. Fait là, de donner référence number one, ce path là, tu as relié là. Correct? Tu nous ouvres, tu as ça, Smarties là, ouais, là. Correct? Maintenant, qui peut arriver? Tu bizet tu as gâteau, tu bizet tu as Smarties un par un depuis dans ça c'est là. Ouais. Maintenant, nous gagnons un coup. Bon, tu nous ouvres ça c'est gâteau là. Bien bon. Et là, qui n'est arrivé à Waida, tu as fini d'y aller ici là, et ça la ligne là. Tu as fini d'y aller qui couleur gâteau dans envie manger. Search item, couleur rouge. Use à l'infini typé. Tu as demandé qui. Allez, là tu as demandé qui couleur à Smarties, c'est bizarre. Il dit à couleur rouge. Mais le search item, il y a valeur rouge. Là tu as ouvert ça, c'est là. Mais là, qui peut faire la Waida, ça la ligne là. Allez, sauf so off. Oui, qui veut dire lire la ligne N? Veut dire petit N Smarties depuis là? Ça c'est là. Tu comprends? Non, il veut lire file N. Mais il peut lire la ligne par la ligne. Dans file là, il peut lire tout Smarties qui n'a un par N de vous tirer là. Ça la ligne là veut dire tirer N Smarties depuis dans sa file N là. Et tu peux poser dans la ligne N. Mais si la ligne N là, l'ici qui te peut rôder. Si la ligne 1 là, ce qui te tire depuis dans le sac là, si ce qui te fait rôder, toi qui te fait rôder, rouge. Mais si tu tire une couleur rouge, il est égal. Si ce qui te tire et ce qui te fait rôder, pareil, ouais. Il veut dire, yes, femme, tu as trouvé Smarties rouge. Bien là, femme, il va être true. Et ça loupe là, pas pour continuer, rôder encore Smarties rouge. Il veut dire, do while not in our file, ou bien femme, il est false. Mais dire si found ni false, tu n'as pas encore rodé, tu continues à rodé. Ou bien, tu n'as pas encore arrivé la fin de ça, ça c'est là, tu continues à rodé. Mais si tu n'arrives la fin de ça, c'est là, tu n'as encore un of file, IOF veut dire un of file. Ou bien, tu ne finis qu'un lit, tu n'as pas nécessaire à continuer à rodé. Est-ce qu'il te comprend? Allez, bon, reprends-le. Right. Ça programme qui nous permet d'être là, appelle ça search, Waida. Appelle ça search. Première question de pose du monde là, qui te peut rôder? Tu comprends la ligne là? Bon, il peut dire oui, mon peut rôder Smarties couleur rouge. Tu as fini qu'il comprend, tu search item c'est Smarties rouge. Correct là? Astia, tu as bien ouvert ça c'est là. Voilà. Madame Testeri, vous êtes? Oh,
Allô, c'est une rentrée là? Bon, quand même des élèves en cours là. Tu veux prendre du pain? Hein? Du pain, ça, c'est. Ça va être pas. Calculé, là, tu vas trouver dans le carré, mon ami. Carré, non, guetté. Non, de côté, toi. Tu passes. Non, mais il y en a carré ici. Allez, tous enfin une rentrée, tous enfin une rentrée, une consigne expliquée, si pas rien qu'on voit de dire. Allez, Fanfan. Allez, c'est une rentrée là, Fanfan. Il est en peine des élèves pour rentrer, vous pensez. Ouais, presque tu une rentrée là. Ok. Allez, c'est une rentrée là, mon pote. Allez, une consigne expliquée là. Ça va rester là, en peine des. Allez, nous faire papier d'examen, je vous comprends là. Extra intéressant ce chapitre là. Papier D, mais c'est moi, il y a un chapitre un peu difficile. C'est moi, j'espérais que tous les enfants comprennent. Allez, qui nous peut faire? Nous reprenons les Waïda. Nous peut search. Ok, Waïda? Allez, nous m'aurons de temps à faire, Waïda, pour vous équipe en trop bien comprendre. Get the file là, mon amant, j'ai ce nom. Anil, Robin, Rita et John. Et nous peut aller guetter si ça va être mon software là pour aller guetter si ça va être mon présent là-dedans ou ça pas présent. Bon, première affaire qui nous vous demande, là nous guettons, ça nous déclare une variable, bon, je te connais programmé, nous clions l'écran vient propre. Nous pouvons faire un search. Nous disons, dis-moi qui te peut redire, c'est moi qui fais un search item. Tu peux redire Smarties couleur rouge. Et il est là qui nous faisait faire, ouvrir la file là, boîte Smarties in ouvert. On perd trop vite, Waïda? Non. Enfin, on finit ouvert là. Il est là qui me fait, je tiens un Smarties par un Smarties depuis dans, ça c'est numéro 1, ça c'est numéro 1, c'est. Code boîte Smarties là. Mon petit a en la ligne. Mon petit a premier Smarties. Il est là, mon check premier Smarties là. Est-ce qu'il est rouge qui m'a perdu dit là? Si égal, bien bon, bien content, mon gagné. Et il est là, found a valet true. Et il est là, moi, vous avez répété, moi, vous avez rodé encore. Mais s'il n'est pas rouge, mon check deuxième la ligne. Et troisième la ligne. Comme ça, ça a répété, répété. Et jusqu'à qu'il me trouve un match. Si mon numéro Smarties rouge, c'est quand il m'a gagné. Si m'a gagné, found gagné true. Et là, je suis sorti de la loupe là. Mais si je finis sorti de la loupe là, dans deux cas, je suis sorti de la loupe là. Soit je arrive à la fin de cette affaire là, je finis d'éviter tout ça, c'est. Et puis, il n'y a rien dedans. Ou bien si je finis trouve ce qui m'a rodé. Et là, je suis sorti, si found est false. Si je finis sorti de la loupe là, found est false, enfant. Je veux dire, ça qui est sorti rodé là, il n'est pas dans ça, c'est là. Je veux dire, Smarties rouge, pays dans ça, c'est là. À cause de ça, là. Bon, pour donner un message. Bon, il n'y a pas de cas. Si je trouve lui, je vous donne un message. Je trouve lui. Si pénalité, ça c'est là, il vous donne un message. Pénalité, ça c'est là. Et derrière, je ferme, ça c'est là, je vous dans la poubelle et je arrête. Allez, maintenant, nous vous tester. Voyez, nous vous tester. Dans mon file, oui, Fanfan. Get mon file et dans ce moment du monde là. Nous pouvons rouler le software. Voilà, nous run. Mon car run. Voilà, mon run, mon software. Allez, dis-moi qui option vous choisirez, Fanfan. Soit LOL, c'est là online, dis-moi. Il n'y a pas qui j'ai les gars à répondre. Allez, qui me choisirez? Dis-moi qui me choisirez? Qui numéro? Dis-moi qui numéro? Qui me... Diafo? Un élève, il dit là. Qui me choisirez? 4. D'accord, 4. Qui fait un 4 mauvais search. Voilà. À ce moment-là, qui te peut rôder? Allez, mettons mauvais road Rita. R-I-T-A. Ok, dis bon là, Rita. Mauvais road Rita. D'après eux, sauf là, qui dit bout de moi. Yes, found Rita. Le gars d'un coup. Yes, il found Rita. Et il même donne-moi mon location. Rita, il est 3e place dans la file là. Est-ce qu'il est vrai? Ok, et je suis capable de retourner.
Vous pouvez regarder mon file si vous voulez. Get dans file là, les nouvelles file là. Et les lire. Rita est dans la troisième position. Les marcher, les pas marcher. Bon, comment les connaît les dans la troisième position, les enfants? Ouais, comment les connaît les dans la troisième position? Faut que j'avais un read ici, hein? Read from the file. Comment les connaît? Parce qu'il y a un counter là-dedans. Get dans software là, il y a un counter ici. Ça compte là, si qui compte, il n'y a pas trouvé, il compte, il compte. Et derrière, il dit à moi, si là, c'est ce loqué, location. Je fais un counter aussi, moi. Bon, finalement, je finis faire search. Est-ce qu'ils sont d'accord? Search veut dire quoi? Ouais, te dire, dis-moi là, qui te peut rôder? Tu ouvres la file là. Tu rôdes la ligne par la ligne. À cause de la loupe là. Tu rôdes la ligne par la ligne. Si tu trouves lui, te dis tu trouves lui. Si tu pas trouves lui, quand tu es là, marché, quand tu arrêtes de roder, quand tu finis la fin des files là, ou bien tu pas trouves lui du tout. Et là, tu sorti. Si tu sorti en des loupes là, si found lui false, veut dire que pas trouve ça item là. Il est là, mon close. Est-ce qu'il m'a le récit explique? Allez, pose question. Comment on fait pour rôder? Mot par mot. Mot par mot. Ah, c'est intéressant. Bon, les deux rôdes mot par mot, mes enfants. Tu n'as pas fini de rôder la ligne là, ça la ligne là. Ça la ligne là, c'est-à-dire que tu as besoin de prendre, tu as besoin de déchiffrer l'alphabet par alphabet. Tu as besoin de rôder longueur, ça. Regardez, fais comment tu as rôdé première la ligne. Ça première la ligne là. Et après l'autre, il faut première la ligne. Il dit bon là, ça enfants aiment bien dire là. Une jolie question à poser. Letter road sa première ligne là, j'appelle Anil. Mais si moi j'ai envie, il y a alphabet par alphabet. Premier affaire de servir une commande appelée length. Il y a quatre mots là-dedans. Et chaque mot, il y a découpé. Il y a A, il y a N, il y a I, il y a L. Il y a un mot par un mot là-dedans. Bon, il y a une commande qui servit trim. Qui ne peut pas lire mot par mot. Je vais vous montrer ça dans la question d'examen et analyse. Et je vais vous montrer comment faire. Là, moi je vais vous montrer lire la ligne par la ligne. Mais nous sommes capables de créer une commande, nous finissons de lire ça la ligne là, en dans l'île nous mettons un loop là, que nous lisons alphabet par alphabet dans ça la ligne là. Ça aussi est possible. Mais je ne vais pas aller trop en détail à ce stade là, je vais vous guetter là. Bon, search mon fini. Allez, nous avons un coup qui nous explique. Nous explique, mettre des états dans la file là, si vous avez une vidéo là, après vous trouvez. Je vais lire des états dans la file là, je vais continuer à ajouter dans la file là sans delete ancien. Je vais faire search. Qui reste à ce stade? Delete. Ah, dernier reste delete. Les là, nous pouvons prendre papier d'examen si je tout me suivre. Bon, voilà. Comment, si ton papa n'a pas Prinkle, soit n'a pas Smarties, il n'a pas sassé, soit dans un tube, si tu les fais là, il est dans un tube, tu connais comment il était. Zone Smarties dans le tube là, un des l'autre. Imaginez dans un tube, Smarties dans un tube. Et Smarties li un de l'autre. Si un Smarties gâté, tu as envie de tirer là-dedans, Waïda. Comment tu peux faire ça? Ouais. Mais, allez, je te donne l'idée, Waïda. Tu as dit, c'est bon, ça va bon. Tu as besoin d'un autre tube Smarties à côté de toi. Est-ce qu'il est d'accord? Là, tu tires un Smarties depuis dans sa première tube là. Tu as gâté. Est-ce qu'il est gâté? Non, s'il n'est pas gâté, tu mets là deuxième tube qui est vide là, tu gardes là-bas. Tu retiens l'autre Smarties. Tu mets là gâté, non, tu remets là deuxième tube. Mais si tu as besoin d'un qui est gâté, tu ne pas mettre là deuxième tube. Est-ce qu'il te fait comprendre? Oui. Veux dire, là, là, dans deuxième tube, qui te prend là? Tout ce qui te besoin? Tout ce qui est là. Ouais, avec ce qui est gâté là, tu finis de l'élite. Right. Mais sa même méthode ne vous servit là, Waïda. Ne vous servit deux tubes. Un là, original là, celle qui te pour ouvrir lui, et te pour tirer par les Smarties, un et l'autre. Et là, te pour checker un et l'autre, te pour lire, te pour avoir lu dans le deuxième tube. Te pour avoir tout dans le deuxième tube, excepté ce qui est gâté, te pas pour avoir dans le deuxième tube. Là qui te pour faire, ce deuxième tube là, tu pour marquer lui, tu pour faire lui comme un premier là. Pour dire que tu n'as pas remarqué qu'il est parti premier tube. Deuxième tube là, tu pour redécorer lui, tu pour coller sur plastique, qu'il vous paraît pareil comme un premier tube. Mais dire là finalement, qui te fait? Tu te delete, ce qui n'est pas bon là. Allez, pour expliquer toi, Waïda,
ou pour expliquer toi delete. Seulement pour faire delete, ouais, dame, vous avez là. Est-ce qu'il est d'accord? Oui. Qui m'a fait Astère? Au call delete. Bon, pas bon. Oui. Allez, pour mon call delete, ouais, dame, qui vous a arrivé à Astère? Bon, get delete. Il y en a une rouge là, qui fait les rouges? Dis-moi, attends. Je ne sais pas encore une fois. Très, très bien modifié, mon gagne courage, attends. Pas encore écrire, je dire, Movin là. Moi, le road, ça bout de l'île, c'est déjà fini avec parce que moi, je suis gagné dans l'écrire, c'est là. Get l'île là. Je copie l'île là. Il y a un long programme, seulement, tu as besoin de comprendre son raisonnement de l'île. Right, je copie, modifie. Moi, le dame au VB. Moi, là-haut. Je pèse l'île là, par là. Maintenant, je commence à expliquer. Là, Waïda, tu peux remarquer une affaire là-dedans. Il y a deux, il y a parfois avec partout. Ok, qui fait un deux parfois? Avec qui fait un deux files? Je vous en réponds moi. Top, top, mon fils. Top, mon gars, courage encore. Je vais dire, mon PC. Je vais créer une variable là, pour ne pas faire conflit. Tu comprends là? Je vais créer parfois, parfois tout ça là. Attends, mais qui fait une fée à l'île? Ah, mais quoi l'espace? Ah, j'ai une virgule là. Là, c'est un bon. Là, Waïda, tu peux trouver, moi, un file, sa file originale là, il appelle file. Tu te rappelles? Hein? Et moi, je crée un deuxième file. Tu devais temp. Et path 1, il pegode premier file là, original là. Path 2, pegode deuxième file temp là. Je vais dire si moi dans mon C drive, vous supposez que deux files là. File là, avec si j'en ai fait temp là, moi je vais trouver. Mettez ça de haut. Mettez de haut, rendez un service. Le temple a été, mais pas encore créé. Bon, si pas encore créé, là, mon bizin fait un new. Mon bizin créé, dit là. Attendez, new, un notepad. Côté notepad. Allez, laisse-moi ouvrir un notepad. Ok, mon ouvrir un notepad. Et là, mon fait save file. File save all. Temple, mon comment pas encore créé. Et mon mettre ouais. TXT, il est bon. TXT, il est bon. C'est bon, vous êtes sans sous nous. Qui nous appelle lien? Pourquoi il appelle lien? Temp, IMP, mon quoi. Dans mon vrai check là. Écoute, le PC est vide à C drive. Pour moi, déjà la C drive. Si mon get software là, écoute bien. Ouais, dans C drive, il va appeler temp.txt. Il est bon là. Notepad, mon PC, temp.imp.txt, save. La C drive. Correct là? Et peine n'a rien d'atteint. Bon, ouais, dans la raison, ça c'est mon file original. Moi, na, si je ouvre le file original, je vais tout ça dire là sur nous. Et là. Et na Annie, et na Robin, et na Rita avec na Joe. Maintenant, ça temple là qui est pour servir. Temple là pour servir. Comment dire, les temples qui gâteau. Tu vas garder un récipient temporaire pour mélanger tout ça là. Mais ça temple là pour servir, comment dire, un récipient séparé, comment dire, pour trier. Tu vas comprendre pour trier. Qui se qui pas bon, tu pour tirer. Tirer ceux qui pas bon de vous tirer. Allez, je vais suivre là, Waïda. À quoi ça nous vous servir? Maintenant, nous explique le coding. Le coding, première affaire, Waïda. Te demande du monde là comme ça. Qui t'a envie d'élite? Qui couleur Smarties, t'as pas besoin? Mettons du monde là, t'as Smarties, couleur rouge, t'as pas besoin. Tu veux dire, mais qui t'a envie d'élite? Allez, t'as envie d'élite, t'as affaire d'un file, Waïda. Tu veux dire, du monde là, mais qui t'a envie d'élite? Dis-moi. Ok, tu comprends? Là, tu m'en as pour chipper. Tu m'en as pour chipper. Mais ça, qui est ce qui t'a envie de delete là? Tu m'en as une variable. Comment il appelle les variables là? Il appelle delete item. Delete item. C'est ça qui est ce qui t'a envie de delete là? Tu m'en as pour dire à toi. Aïe là. Enter delete item. Et tu m'en as pour chipper. Bon, si tu as envie de delete Radar, Anil, tu as delete Rita, tu as delete Robin, tu as delete. Il n'y a pas de qui non. Mais ça delete item là, comme God, ça. Ça mot qui t'a envie de delete là. C'est pas Anil, c'est pas Robin, c'est pas Rita, c'est pas John. Correct.
Maintenant, explique nous coding. Coding là, on explique. Tu finis de demander qui t'a envie de lire. Il vous dit attends, non, qui t'a envie de lire. Deuxième, tu ouvres des files. File coding garde tout bon. Tu m'en as ce nom avec un file temporaire. Maintenant, Weda, arrête ça coding là, Weda. Ça, moi, je décide de comprendre. Ça, moi, pour que tu te cerveau là. Bon. Maintenant, le ban enfants, d'autres cas aussi répondre. Moi, je ne sais pas cause si ça va aider, mais à cause de moi, habitué à ce nom. Bon, ça, le ban enfants aussi, car répondre. Hein. Le cas vient online, répondre, participer, rendre un service. Je ne sais pas comment dire cause si ça va aider. À cause du problème, c'est. Mon fini habitué à ce nom, comment dire, moi, vite, allez, va aider, répondre moi. Mais c'est moi, mon besoin d'un zélé, comment dire, pour causer. Et l'autre enfant aussi, volontaire, capable de venir participer. Hein. Panique, va aider. Il n'y a pas de celle-là, capable d'intervenir. L'eau est capable d'intervenir, n'importe qui élève online, il est capable de causer. Hein? Pas sans les autres qui m'ont causé, si ça va aider. Mais le problème, c'est que j'ai besoin d'un élève pour me causer, pour me connaître, si pas je peux comprendre ou ça ne peut pas comprendre. Ok? Allez, va aider. Soit un autre élève qui a causé, il va aller là même. Allez. Dis-moi, qui fait ça de la ligne là, va aider? Qui lui fait ça de la ligne? Explique-moi. Oui. Bon, Ramsera peut dire tous les deux files m'ont pu ouvrir. File open. Et file open. Sa file, Weda, ton papa est de toi, gâteau. Sa file là, tu peux ouvrir pour garder temporaire avant qu'il soit qui m'a dit bizarre. Ce qui n'est pas bizarre de vous citer. Allez, premier file open. Tu trouves ça dans l'appel 1, en bas dans l'appel 2, qui fait l'appel 1, 2. Parce que tu peux ouvrir deux files, tu ne peux pas avoir tous les deux dans la même référence number. Parce qu'il y a des élèves dans la classe dans le même index number. Si un là, tu finis par appeler un, tu ne peux pas appeler l'idée. Si tu veux ouvrir un autre file, tu as l'air, un troisième file. Tu peux appeler 3, tu peux ouvrir un quatrième file, tu peux appeler 4. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Allez, premier file, tu peux ouvrir, Weda. Tu appelles le file numéro 1, reference 1. Ce pof, c'est sa file là, ça. Correct? Et premier là, tu ouvres le dans qui mode? Ramsara, premier là, tu ouvres le dans open mode. Qui veut dire open mode? Tu ouvres pour te lire, pour te tirer et smarties depuis là-dedans. Mais deuxième file là, file 2, paf là, temporaire là. Tu ouvres le dans open mode. Qui fait open mode? C'est la garde à moi. Ah ouais, bien bon. Bien bon, Ramsara. Tu dis, tu peux lire depuis dans une file. Tu peux continuer à mettre dans le deuxième file temporaire là. Continue à mettre. Mais si tu n'as pas servi à peine, si tu n'as servi à output, quel problème tu peux avoir? Mais tu peux override, tu peux perdre tout ce qui avant tu es dans la file là. Mais à cause de ça, je vais à peine. Mais dire, je peux tirer la première file. File là, je peux garder la temporaire, je peux continuer à garder, continuer à garder. Tout je peux garder, excepté ce qui est gâté, je ne peux pas garder, gâté, je peux zéter. Ok? Bon, je reprends-le. Yes, sir. Allez, je reprends-le. Je demande, qui coulait Smarties dans la zéter? Les enfants là, vous dire Smarties rouge. Je ouvert, je désassé. Un sassé plein avec Smarties, un là vide. Plein avec Smarties là, il appelle file. Vide là, il appelle temp. Je vais expliquer. Bon, tu comprends là, tu fais un service à temp là. Temp là, c'est temporaire. Hein. Correct? Pour que je dise, tu peux tirer le vide sassé un là, tu peux garder temporaire dans le deuxième temp là. Allez, je ouvert, désassé. Mais tu es obligé d'ouvrir des sassés. Parce qu'il y en a un autre qui Smarties depuis là-dedans. Et s'il est bon, tu peux mettre dans le deuxième sassé là. Mais tous les enfants comprennent qu'il fait un input mode. Input mode veut dire que tu peux tirer Smarties là-dedans. Append mode, tu peux mettre Smarties là-bas. C'est moi, tu n'as pas besoin de payer du man ancien là. Allez, maintenant, ça la ligne là. Ça la comprend ça la ligne là. Qui fait dans le bracket, il met un. Il ne peut pas mettre deux dans le bracket là. Seneca, explique-moi. Veut dire, tu peux lire depuis dans file N, ça c'est Smarties qui te parent amène là. Depuis, il appelle ça c'est N, tu peux lire, tu peux garder lire dans line. Après, si jamais il passe qui te permet de lire, il n'est pas rouge. S'il n'est pas rouge, tu peux save lui dans file numéro 2. Tu comprends? Tu peux save lui dans file numéro 2. Veut dire, tu peux tirer depuis dans file numéro 1. Et si il passe qui t'a envie de delete, il n'est pas gâté, tu avoues dans le deuxième file. Deuxième file, c'est temp. Pas de comprendre. Je veux dire, ça loupe là. Il peut tirer depuis dans ça, c'est gâteau, un par un.
si li pas ki t'as envie de lit, li pas couleur rouge, t'as pas envie de lit, t'as pas envie de zété, li pas gâté, te met li dans deuxième file là. Ve dire mo reprend. Ki t'as envie de lit, ki couleur Smarties, t'as pas besoin, allez rouge. Mo ouvert ça c'est Smarties. Mo ouvert un autre ça c'est qui mo garde temporaire. Voilà, mon ouvert ça c'est Smarties, mon ouvert ça c'est temporaire. Mo lié depuis dans ça c'est Smarties. Si li pas ki mo envie de lit. Moi, je vais lire ça, c'est temporaire. Vous répétez ça jusqu'à mon pari, la fin de ça, c'est N. Ça, c'est N, c'est mon gâteau. Donc, mon pari, la fin, moi, je vais N par N, dans ça, c'est temporaire. Maintenant, je vais finir à voir tout ce qui m'a pas envie de lire, pour aller dans ça, c'est D. Là, je vais fermer tout le D, ça, c'est. Je vais fermer tout le D, ça, c'est. Ça, c'est N, avec ça, c'est D, je vais fermer. Ça c'est N avec ça c'est D, mon ferme. Ok? Ça c'est N avec ça c'est D, mon ferme tous les deux. Ok? Maintenant, get sa commande bien puissant, enfant. Ça n'a qu'à dire qui diffère. Sa commande, mes enfants, c'est la vie pour écrire le virus sur la rang. Kill. Kill, c'est une commande. Dans VB, là, tu appelles li. Dibou kill parfois. Parfois, qui veut dire? Ça c'est qui, voyez, là, tes parents, tu te gâtes là. Dibou delete li pour accepter la poubelle. Parce qu'il finit vide. Veut dire que vous kill parfois. Veut dire ça c'est ce qui te parent a mené gâteau original là. Tu peux kill. Kill veut dire zéti la poubelle. Delete. Physiquement, il tient l'ébide dans hard disk. Et rename. Ça c'est numéro 2, petit temporaire. Tu rename li comme parfois. Tu ressens ce nom. Mais il y a personne pas vous connaître qui ça c'est temporaire là. Il rémine ça c'est ce qui te parent a donné là. Et dans ça c'est temporaire là, tu rename li pareil ce qui te parent tu donnes, personne pas pour connaître qui te finit delete ça item là et il vient pareil comme original. Allez, maintenant nous vous recosi. Je vous pose ma question. Avant de faire ça, moi penser nous besoin tester. Gedi, dans mon file, il y a Anil, Robin, Rita avec John. Correct? Commencement. Dans temporaire, pena non rien. Moi pour servir temporaire, après moi pour rename temporaire. Maintenant, je vais run li. Right. Pour run li, vous allez me suivre, soit Fanfan, soit Ramsahan, il y a pas de qui a envie de répondre, lol, il y a pas de qui a envie de répondre. Allez, dis-moi qui option vous pouvez choisir. Il y a pas de qui élève envie de répondre, Nicaro. Qui option vous pouvez choisir? Allez, répondre. Cinquième. Bien bon. Qui fait cinquième? Astia. Qui dit bien, dis-moi, Waïda? Allez, qui m'a pour un tel après toi? Enfant. Un enfant, ce nom, ce qui est dans la faille là. Allez, dis-moi un qui ce nom. Premier, moi, quoi, tiens, Anil, deuxième, qui tiens? Robin. Troisième, qui tiens? Rita. Et quatrième, moi, quoi, tiens, John. Allez, donne-moi un nom là-dedans qui t'a envie de lire. Dis-moi faux? John. Allez, John, nous sommes John, J capital, J-O-H-N, non, comme ça, il s'écrit. Ok? Bon, nous avons un coup qui est arrivé. Lydia, delete completed. Waïda, Astia, comment vous connaissez vraiment le delete? Demandez une option. Qui m'a offert? Search. Allez, right, tu as search. Soit si je ne m'a pas search, qui m'a offert? Un autre enfant, dis-moi qui m'a offert. Pourquoi il y a un enfant qui répond là? Ok, t'écoute. Can't see. You can't see. Ah, you can't see John. Ouais. Il veut dire, moi, je can't see John. Allez, qui option vous choisirez qui m'a vous checké qui vraiment John? Très bien. Qui option vous choisirez? Deux. Très bien, mon fille. D. Allez, le type D. Hein, qui arrive là, tu arrêtes de marcher. Attends, D. Si je choisis D, get Anil là-dedans, Robin là-dedans, Rita là-dedans. Qui n'a allé? Diamant qui t'en dit lit? John. John n'a allé. Ah, c'est une autre façon pour checker. Non, checker là, il est bon là. C'est un delete in marcher, mon fille. Congratulations. Très, très bien. C'est moi, une autre façon de checker à checker. Get the file là. Non, attends, mon mal prend file là. Hein? Sorry, pas ça là ça. C'était file ça et de vrai il a Anil Robin Rita il est bon la motivé
Allez, si moi envie à ce John à ce de file là. Allez, moi j'ai envie à ce John là. Comment moi j'ai à ce John? Allez, dis-moi donc. Très bien. Moi, tu pensais de vous faire rire de vous dire numéro 1, mais tu peux pas me faire rire. Parce que si tu peux choisir numéro 1, tu peux délire tout. Tu peux choisir à peine numéro 3. Très bien, moi, tu peux comprendre le concept là. Maintenant, ici, moi, je vais sur John. J-O-H-N. Le bon là, John. Au présenter. John, il est rentré dans le file là. Comment vous connaissez John, il est rentré dans le file là? Dis-moi, moi, tu veux. Allez, qui option? John est rentré? Oui. Allez, Astia, je vais envie search engine moon. Dis-moi un nom qui t'a envie search. Dis-moi quelle option je choisirai. Search 4. Allez, je vais envie search engine moon. Dis-moi qui sera mon search. Search Robin. Robin, R-O-B-I-N. Allez, dis-moi Robin, leader deuxième location. Correct, me rechecker. Est-ce qu'il est vraiment dans la deuxième location? Je vais choisir numéro 2. Oui, Robin dans la deuxième location. Bien bon. Maintenant, moi envie delete. Allez, qui s'en a mon goût delete? Dis-moi. Allez, nous delete Anil. Ok, Anil pour alias. A-N-I-L. Allez, right. Moi, nous connaissons Anil in Ali. Je vais choisir option D. Anil in Ali. Vous trouvez? Il y a Robin, Rita et John. Anil in Ali. Maintenant, Enza Fair. Je vais choisir 4. Bon, il y a Robin, Rita avec John. Maintenant, je vais choisir 4. Search. Et d'après eux, je vais voir le code qui paye dans la liste. Là, je vais voir le computer qui diffère. C'est un fake delete. Anil. Allez, je vais voir l'option 4. Je vais choisir search. D'après eux, qui m'a écrit Anil. Qui fait mon best? Je vais voir si un jumon pas dans la liste. Là, le computer qui dit à moi. Allez, je vais voir. Est-ce que Anil? Qu'est-ce qu'il dit? Item you are looking for is not in the file. Il est bon ou pas bon? C'est le bon moment, mon al trop vite. Comprends ou ça pas comprend? Comprends. Mais dis à mon testé programme là, moi tu peux regarder Anil, Anil pas dans la liste là parce qu'il y a des numéros de Anil pas dans la liste là. Mais computer là, fais-moi faire un search. Fais-moi faire un search qui a un jumon pas dans la liste là, il dit à moi, il pas dans la liste là. Il est bon ou ça est pas bon? Oui. Il est bon là? Allez, maintenant, software là, on finit d'écrire. Mais c'est moi, il y a un DRL dans la software là, c'est obligé de corriger. Par exemple, regarde là, si vous avez une cinquième option là-dedans, exit the software, exit. Mais ça, c'est le cas écrit, regarde comment je décris exit. Je vais mettre là, un dernier, parce que tous les temps, je vais créer une software, dernière option, je vais mettre exit. Sixième option pour N, c'est pas exit, c'est le cas à faire ça. Bon, je vais dire, mais il ne faut pas dire, on crée un extra bon software. Ok, moi je vais faire une petite affaire pour que tu comprennes et je suis capable de servir. Ok, voilà, exit. Et si tu as envie de faire exit logué, tu peux venir dans la dernière option, case L, s'il te plaît, soit sixième option. N, I, N, D. Et là, ici, tu peux mettre less or equal to 6. Parce que sixième option, tu peux exit. Est-ce qu'ils ont bien compris qu'ils m'ont changé là? Et dis moi, tu peux prendre une option exit. Je vais dire là, si je rentre dans le software là, dites-moi 6ème option exit. Si je choisis 6, il faut exit. Ok? Je vais vous montrer comment je fais. Et je save là, je save as. Je save software là. Si mes enfants ont envie de software là, nous sommes capables d'avoir les autres. Quand je save avant d'oublier, je ne vais pas connaître les autres, je rappelle. Je vais appeler les files. Et je vais appeler les serial. Je vais appeler les serial files. Je vais envoyer ce software là et je vais tester les jouets en ligne. Je vais appeler Paper 2. Paper 2 et je vais capable de envoyer ce programme. Je vais mettre les dents. Moi j'ai tout fait là, je vais finir d'oublier quand je regarde ça là. Je vais rappeler. Je vais penser. Quand je vais essayer là, je vais oublier. Attends, hein. Encore là, moi, c'est Evelyne. T'as vu? Ouais, dans Paper 2. Là, moi, c'est Evelyne. Hein? Et dans Vimi Programme. Et. Attends. Sur nous, côté. Ouais, moi, c'est Evelyne là.
select folder. Voilà. Et il me demande si c'est 10 minutes. Et là, on s'est dit, correct? Ça fait pas tout. Maintenant, nous voyons le papier d'examen. Et moi, je finis faire papier d'examen pour vous être un temps dans le programme. Moi, je finis. Attends, qui n'a pas passé? Va une fille, c'est. Correct? Bon, ça, sauf là, moi, pour avoir les autres, je vous ai joué en lit. Voilà, moi, je finis faire. Regardez, nous mettons des états, nous lire des états, nous append des états, nous search, nous delete, nous exit. Maintenant, mes enfants, vous allez connaître comment faire papier d'examen. Ok, papier d'examen maintenant intéressant. Et mon autre papier d'examen, mon fini écrire mon software là. Je vous ai fait, c'est mon outil. Papier d'examen. Et puis partout, voilà, il est là. Vibi là. Gagne dans papier d'examen, mon fini faire. Ok, mon pour envie de discuter des papiers d'examen, aux autres, nous gagnez si nous sommes capables là. Pourquoi mon cas discute aux autres? Et, au moins des papiers d'examen. Ça, clairement, il y a une question de phase. Je veux dire, moi, je suis supposé de nous autres bonnes questions d'examen de phase. Attends, moi, de nous autres avant. Une minute. Je rentre dans All Papers. Moi, de nous autres, ça, clairement, c'est une bonne question. Soit après, je vais voir les autres. Et je finis de nous autres. Dans la vidéo, là, je vais vous recorder tout. Vous êtes capable de guetter. Il y a tout un papier d'examen. Au moins, un papier d'examen, je vais vous discuter aux autres. Là, je vais vous arrêter. Là, je vais vous prendre un devoir pour faire. Et j'ai besoin de faire ça dans VB, j'ai besoin de moi là, hein? J'ai tout étendu là. Pas déclaré, pas étendu non, hein, là. Hein? J'ai de la même ou ça, j'ai une vidéo, oui? La même. Allez, right. Allez, right. Papier d'examen, get papier D. Get papier D là, hein. Papier D, get question là, false. Get dit la false. Bon, là, dans la vidéo là, tout peut record là. Je veux dire, get là haut, tel l'année, tel papier. Ok? Telle l'année, tel papier, qui est là dans la phase. Tout ça va une question là, il y en a. Je vous gagne là. Bon, moi, je vais vous donner un parrain, mais vidéo là, il y en a. Ok? Je crois que c'est un dernier papier, je ne vais pas commettre là. Novembre 2019, là, je ne vais pas commettre. Les restes sacs l'année, il y a une question là, aux phases. Vous avez remarqué? Il y a un mauvais re-highlight là. Je vais vous highlight pour tous les trouver là. Et là-haut, il y en a sur l'année, et tout ça va devoir là, je vais le faire. Mais capable de faire tout. Ok, parce qu'il va répéter. Le cas fait même affaire. Allez, il finit record dans la vidéo, ça. Les objets de vidéo, ça finit connaître qui l'année et qui papier. Les objets de l'année et papier. Question. L'année, telle question. Telle l'année, telle question. Allez, maintenant, on finit explique ça. Maintenant, on minimise. On prend une question d'examen, on montre d'autres qui devoir, d'autres n'ont pas à le faire. Correct? Devoir maintenant, Noaldo. Attends. Devoir. Deux voix là, une minute. Papier D, ouais, mon besoin rentre là. Papier D, là, VB. Bon, moi, vous prends une l'année là-dedans au hasard. Moi, pensez, moi, prends celle-là. Ok, nous guettons tout. Allez, right. Voilà, novembre 2018. Là, moi, guettez si ça aime, vous discutez de moi une minute, si moi, si, à ça même. Oui, moi, je finis de sa réponse. Sur marking scheme, sur VB, tout le monde finit faire. Très très bien, très très bien. Allez. Allez. Nous avons sa question. Là. Les enfants, regardez bien. Si je ne comprends pas, monsieur, moi, je ne comprends pas. Là, je finis de donner la liste de bonnes questions. Est-ce que tous les enfants ont trouvé dans Excel sheet la liste de questions, je finis de donner dans la phase. Mais, je ne pas expliquer tout. Je veux dire, dans chaque question, prenez un nouveau question, un nouveau élément pour expliquer. Bon, là, nous guettons ce papier là, là. Novembre 2018, papier 21, question 5. Sa question là, je vais vous expliquer. Ok, là, la liberté est écrite sous deux côtes. Tous les enfants, pour faire ce sous deux côtes. Ce réponse, moi, déjà donné dans sous deux côtes là. Je vous dis ce qui marking scheme, Cambridge, comment corriger ça aussi, non? Seulement, moi, je ne suis pas intéressé à ce soir là. Moi, intéressé, je vais décaler en VB. Qu'est-ce que VB code? Ça. Et le programme là, vous avez marqué. Ça, VB. Je veux dire, si les enfants, si vous ne pouvez pas poser cette solution-là, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez copié ça dans VB et run-li et comprend-li. Vous voyez, c'est la même? Retravaille-li. Et vous avez run-li, comprend-li. Maintenant, je suis capable de poser une question à ce terme. Nous avons le papier là, ce terme. Nous analysons le papier là. Correct? Finalement, vous allez dans VB, moi. Hein? Allez. Minimize. Et nous lisons la question et nous discutons à ce terme. Au moins une question d'examen, je vous ai qu'à faire. Bon, a program collects data about
the performance of a car at regular time interval. Correct? Média te va écrire un programme pour recorder ben le tout sur performance. Et dans un file te va save ça. Et ça file là comment appeler? Ça file là appelle car status. Correct? Tu en fais comment? File là appelle car status. Et ce format, dans ça la ligne te va garder ben data. Te va garder sur time, te va garder sur amount of fuel use, avec te va garder sur distance travel. Média les enfants. Si tu l'es, ça fait là car status, il peut être file quelque part. Je vais ouvrir mon notepad, si tu l'es, je save lui. Aide-moi si ça même avait capable d'expliquer là. Voilà. Ça te file. Et file là te save lui. Ça me te VB pour accès là. File là, disons, je save lui. Bon. On peut save lui comme car status. Car C-A-R. Car status. S-T-A-T-U-S. .txt et je vais servir dans C drive. Voilà, ça m'a fini de créer mon file. Mais dans le file là, il y a des données qui m'ont gardé. Qui m'ont donné qui m'ont gardé? L'air, et le time, et amount of fuel use avec distance travel. Bon, je ne sais pas connaître le time là, il est capable de parler 2 hours, et puis une virgule, et il peut amount of fuel use, capable de servir 1 litre, et distance travel, capable de servir. Il n'a pas 10 km capable. Et deuxième le tout capable ce temps il fait 3 temps et ce amount of fuel used il servit 3 litres et il a une distance de 15 km. Comme ça sac le tout sur ma performance pour garder dans file. Maintenant laisse-moi save lui. Maintenant il dit the data items are separated by comma. Tu as trouvé là dans file là, je ne sais pas bandit item là. Voilà. Je ne sais pas bandit là, pas encore. Comment? Correct. Maintenant, nous continuons à lire la question là. Je vais finir ce petit file là, je vais créer là. Et ça va me donner qui me peut garder. Maintenant, get ça bien. Il y en a trois fonctions: get time, get fuel, get distance. Ça, c'est ça, un sub-programme ça. Get file. Get fuel, get distance. C'est un sub-programme qui m'a beaucoup. Maintenant, il y a get time qui fait. Returns a string represents the current time. C'est-à-dire, il peut save ça le temps là. Il peut get time, il peut return a string, returns the current time. OK. And may return null under a certain circumstances. Get fuel. C'est-à-dire, comme si il peut input time. Ça là pour input combien fuel il fait, ça là pour input combien distance il aller. Et il y a une autre fonction appelée ça save. Save qui peut faire, il peut obtenir the time, fuel et distance used using appropriate function call. Correct? Et il peut return false if the current time string remains null. Et after 3 attempts. Bon, je ne vais pas rentrer tout en détail là, mais ne peut guetter. Bon, programme là, il peut dire comme ça. OK. Mais vous guettez là, je vais expliquer. Write the pseudocode pour ça save là. Il veut dire écrire le pseudocode pour save, pas en entier. The save function. Maintenant, vous pouvez expliquer le programme là. Si vous comprenez le diamant, mais c'est moi avant le pseudocode, je vais vous guetter sur VB. Allez, right. Maintenant, enfin, vous guettez ce programme en VB, là, nous faire le pseudocode. Maintenant, dans VB, vous pouvez écrire ali. Le diamant, si vous comprenez. Si vous ne comprenez pas, je vais vous expliquer. Vous pouvez copier sa code dans VB là. Et je vous dis à moi si je te comprends. Voilà, copie. Bon, je vais close celle-là. Ça, je finis save. Je vais close. Voilà, je vais close ce project là. Close le project. Je vais ouvrir un new project. Voilà. Console application. Je vais ouvrir. Et là, je vais augmenter ce pourcentage. Je vais run ce programme VB là. Et là, je vais payer ce code là. Voilà. Maintenant, nous pouvons étudier ce code-là ensemble avec Zut. Get module là-haut, module 1. Correct. Là, end of the module. Let the program run tout le temps, il run avec main. Est-ce que tout ça va correct là? Le programme run le main. Objections. Programme run le main. Allez, on commence à poser une question là. Alexandre, écoute-moi, m'a guetté.
And le program la pour run, qui peut écrire comme title? Title, the program to input the car details in the car files. Ça va, ça va. Ouais. Moi, je vais faire classe online, d'abord. C'est le moins ce problème. On veut bien dans l'école, si la large. Tiens-moi. Ouais, tout possible, mais c'est pas mettre beaucoup de choses là-dedans. Qui t'a promis? Je suis là. Mais tu prends précaution. Safe, ça fait. Non, mais juste pour ça, l'école. Ouais, là, il a. Et dis-moi qui te pas connaît, tu pas de chatter aux autres. Ah oui, ça fait. Tu prends précaution. Allô? Non, d'accord. Allez, je t'une rentrée. Diamant, je vais t'en là. Mon cher. Allez, allez. Et vous discutez ce papier là. Moi, je vais t'en personne. Ouais, Enzelevin répond. Oui. Lol, ça va, lol. Allez, nous faisons ça coding là, qui va Enzelev. Bon, des voix, mon fils, nous avons plein de voix là. Personne ne va dire pas de devoir. C'est moi, un des élèves, la cause à moi pour me connaître. Je vais t'entendre, je vais comprendre. Pas qu'à cause tout seul. Il paraît qu'on est dans la salle fermée tout seul. Allez, ça n'a pas online là. Allez, un des élèves répond. Bon, pas tout, personne ne peut répondre. Personne ne va faire cause à moi. Mon micro on. Alex, mon tour de micro là, tu vas t'en faire cause à moi. Tu n'as donné chien à manger. Écoute, tu dis. Ça va, personne ne va répondre. Ça a un problème à mon micro. Non. Allez, un enfant, vous avez répondu. Oui, allez. Il peut me causer. Allez. Non, pour moi, correct là. Ouais, correct là. Allez. Fanfan, si nous run ce programme là, main pour run avant, est-ce qu'il est d'accord? Le programme to input car. C'est-à-dire ce programme là, nous, tu connais, nous avons plusieurs leçons sur performance pour mettre dans sa file là. En fait, file là, pas si vous appelez car, qui moi si vous appelez car status, mon con, non? Si vous appelez ça là, si vous appelez car status. Car status, file là, si vous appelez. Et après, nous avons run une function pour save. D'accord? Nous avons run une function pour save. Et output. Output after the function is save. Alright? Maintenant, qui peut arriver là? Oui. Get là, ici qui nous call sa function, la function save là. Alright? Function save là, il va call là. Maintenant, nous allons get un coup de comment il travaille. Il nous dit save. Bon, première affaire, il nous rend le programme là. Ça peut apparaître dans l'écran. Programme. Fanfan de bétonnement. Ouais, d'accord, ça va online. Allez. Programme to input car details. Nous vous mettez car là ce détail dans sa file là. Commencement, get file là, il est vide. Get là. File là, il est vide. Il n'y a rien dedans. Non, 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 il n'est pas vide. Il y a des états. Correct? Il y a des états. Maintenant, nous allons get input. Il y a des états. Et after qu'il nous finit save, nous pouvons appeler là. Ça fonctionne là, nous pouvons appeler là. Maintenant, save fonctionne là. Voilà, il rentre là. Bon, là, il rentre là, les enfants. Ça fonctionne là, moi, j'espère que je vais suivre. Fonctionne là, ce nom, save. Là, nous créons un local variable. Tout ça, là, on appelle ça un local variable. Alright, une variable locale qui trouve dans sa fonction. Là. Maintenant, qui peut arriver là? Qu'est-ce que ça bout là? Ça n'a qu'à expliquer moi qui peut arriver là. Tout ça, ça nous appelle ça declaration of variables. Ça appelle ça initialization of variables. Veut dire, ben variable qui a une valeur, on appelle ça initialization of variables. C'est là qu'à expliquer moi là qui peut arriver.
Seulement pas aller bien intelligent pour qu'elle réponde moi ça. Distance peut pas valer get distance. Allez, get distance là, qu'est-ce que c'est ça? C'est que moi highlight là. Moi, je dis que ça là qu'elle réponde. Volonté, à n'importe qui les connaît, répond. Get distance là, qu'est-ce que c'est ça? Personne ne m'a connu. Get là. Distance, fuel avec time. Ça, c'est bon, variable. Les strings. Mais get distance, c'est quoi? Get in a bracket là, donc. Qui fait un bracket là? Qui veut dire get distance? Qui était ça, get distance? Qui veut dire get fuel? Qui était ça? Qui veut dire get time? Qui était ça? C'est là qu'on répond. Volonté. Function. Très, très bien que ça me réponde ça. C'est bon, function. Ok? Et get vient là. Ça, c'est un fois qu'il répond là, il comprend ça, une function, ça. Get distance. Mais dire get distance, il là-haut, là, il dit là. Get distance, il y a une function. Très, très bien, il dit là. Vous avez trouvé? Et comment il crée une function? Function, and function, sorry. And function, et get distance. Get distance pour gagner une valeur. Mais dire, les devines là, vous avez un programme là, commencez dans main là. Ça peut paraître dans l'écran. Et, tu peux appeler sa function save là. Il y a le code function save, que dit là. Il y a le code function save. Mais c'est moi, il y a le code function save. Il y a appelé une autre function get distance. Pour sa distance là, il y a un valeur. Et get distance, il y a une fonction. Il y a le code sa function get distance là, là. Voilà, function, and function. Et get distance, il y a une function, living là. Et le living là, qui lui dit, get bien, le nouveau run ça, il y a enter distance. Et distance pour gagner valeur, distance est un local variable, distance user là pour chipper. Distance pour gagner valeur, veut dire pour return, get it? And function, le return and valeur, sa valeur qui est pour input là, li pour return li. Veut dire get distance pour gagner valeur, veut dire code le chicol là. Voilà là. Ça get distance là pour gagner valeur, ce qui dit moulin chipper. Veut dire distance pour gagner valeur. Maintenant, il dit get fuel. Allez, question. Qui veut dire get fuel? Il y a une autre fonction. Il peut aller là-haut. Il peut aller code get fuel. Ça fonctionne là, ça. Il peut rentrer là-dedans. Il peut dire user là, enter fuel. User là pour enter. Fuel pour gagner valeur. Il peut return. Il veut dire get fuel là pour gagner sa valeur là. Il veut dire l'être pour venir là, là. Get fuel pour gagner valeur et fuel pour gagner valeur. Il veut dire distance il y a valeur, fuel il y a valeur. Et même affaire pour get time. Get time y a une fonction. Li pou vin code get time. Sa fonction là. Li pou dire user là donne moi sa time là pour sa lutte là. Et li pou return sa time là. Li pou return sa time là. Ve dire time pour gagner valeur. Parce que sa fonction là permet de sa valeur là. Ve dire sa 3 la ligne là. Li pou appeler 3 fonctions. Pour distance gagner valeur, fuel gagner valeur et time gagner valeur. Maintenant, ce qui est important là-dedans pour noter, comment tu peux sauver ça dans le file là? Ça qui est important. Comment pour sauver dans le file là? Get file là, il est là. File là, il est là. Mais comment tu peux mettre des data dans le file là? Il y a 3 valeurs qui gagnent là. Tu peux prendre l'île, tu peux mettre dans le file là. Je vais montrer comment tu peux mettre. Bon, commencement, mettons, je mets le file là vide. Pena non, rien là. Je delete tout. Je sauve lui. Je vais dire file là vide. Ouais, file là vide. Je vais discuter de question de l'examen là. J'espère que tous mes enfants vont suivre moi avec sa question de l'examen là. File là vide. Première affaire, je vais ouvrir file là. Mais qui est réellement faire ici, enfants? Je vais déjà mettre sur location. Je vais déjà mettre si, d'après moi, colonne. Avec mon quoi un slash comme ça, là. Si mon van fait erreur, rappelle-moi. Non, comme ça ou ça, comme ça. Slash là, comment il dit ça? Est-ce qu'il dit comme ça? Mon quoi dit comme ça? Ouais, bien bon. Très bien. Bon, ça, est là, ça, je dois encore rappeler, ça, je t'en prends avec moi. File open. Je donne file là un nom. Et je donne ce path. Et dans qui mode mon ouvrier? À peine. Qui fait mon ouvrier dans à peine? Parce qu'il me continue mes détails là-dedans. Qui commande mon PCB? Print file. Print line, dans file end. C'est mon file data. File data, qu'est-ce qu'il fait? File data, il prend sa time là. Il prend time, il met virgule là. Il prend sa fuel là, il met virgule. Il prend sa distance là, il met virgule. Veut dire, il prend time, fuel avec distance, il met virgule. Il met tout dans une seule ligne.
Après, l'in prend ça la ligne là, l'in met dans file 1, après l'in close file. Maintenant, nous allons tester l'i. Voilà. Tester. Nous mettons l'autre là sur distance. Mettons 10 km l'in fer. Deuxième, nous mettons sur fuel. Mettons l'in service 5 litres fuel. L'étang, mettons l'in fer 20 km. Non, 20. Désertant. Désertant. Représentant. L'idéal, il finit save. Li. Maintenant, comment nous connaissons le save? Nous rentrons dans le file là, nous guettons si data line rentre là-bas. Voilà. Guette bien. Désertant. On va oublier là, c'est pas 5 km. Avec. Qui était ça? Nous finis oublier là. Laquelle time? Qui nous demande avant? Allez, réponds-moi. Qui tu réponds avant? Qui tu prends? Avant virtuel. Non, avant distance. Distance. Là, déjà? Un peu plus ouais, après time. Ouais, ça trois la fenêtre rentrée dans le file. Maintenant, mon close file là. Regarde bien. Mon close file là. Mon rerun li point déjà une fois maintenant. Le rerun ma distance. Maison distance li n. Et mon faire rire là. Et mettons fuel li n. Fuel li n. Mettons timely end. Je save. Qui peut arriver d'après eux si je ouvre le file là? Ça trois les trois affaires là pour rentrer pour deuxième le tour. Il y a deuxième le tour. Ce fuel, ce distance avec ce time. Et then il rentre là-dedans. Vous avez regardé? Maintenant, si j'ai envie de mettre en cours d'état, je rerun li. Voilà. Je rerun li. Distance D, fuel D et time D. 3. Et. Les mots save li, get li save dans sa file là. Je veux dire, qui sont en prendre là? Sa question, l'examen là, tu basé le haut. Ça devait une rentrée. 3, D, D. Voilà. Nous retournons la question l'examen là. Question l'examen. Voilà. Non. Question l'examen là, get comment tu dit? Question l'examen là, l'in nous comme ça. Voilà. Allez, nous regardons la question d'examen. Moi, les tout lié à la question d'examen. Comprends-le. Parce que moi, vous voyez, discute ça là. Question d'examen, c'est novembre 2018, papier 21, question 5. Veux dire, tu peux ouvrir un file qui appelle Car Status. Qu'est-ce là? Mon file Car Status est là. Qui m'a fait garder dans ce file là? Trois affaires. Qui dans quel ordre il était, enfant? Trois affaires, mon père Gordy. Pourquoi mon père Gordy? Distance. Fuel avec time. C'est une trois affaires là. Mais c'est moi, entre ces trois d'état là, bien en vient. Virgule, virgule, virgule. Correct? Et nous, software, peut faire ça même. Bon, mon réexplique software là, comment on le crée. Ça, c'est title, peut paraître. Là, il peut appeler une fonction save. Ça, là, il rentre dans function save. Et sa function save là. Tu sais. Allez, ça c'est function save. Que dit rendre function save? Ça c'est mon local variables qui nous crée. Nous déclare mon local variables. Ça c'est mon initialization of variable. Ça nous crée, nous appelle trois fonctions. En dans une fonction, nous appelle une autre fonction. Dans sa fonction save là, nous appelle une fonction appelle get. Nous appelle une fonction qui appelle fuel. Nous appelle une fonction appelle get time. Ça trois fonctions là. Li à la main, li demande user là, get distance, get fuel, avec get time. J'ai besoin de comprendre comment écrire function. Ça user là, nous peut dire, donne-moi distance. C'est moi, function là, peut return sa distance. Là, là moi peut dire, donne-moi fuel. Moi peut return sa fuel là. Moi peut dire, donne-moi time. Là, moi peut return sa time là. Veut dire, là-dedans, depuis appel, ça trois fonctions là, n par n. Nous appelons li, nous appelons li, nous appelons li. C'est moi là, nous appelons, nous avons fonction, nous pouvons donner ça une valeur là, une fonction là, ce valeur, une variable. Ça trois variables là, peut finir une valeur. Seulement, dernier, nous prenons ça trois variables là, nous joignons ça dans celle la ligne. Vous avez trouvé? Time, fuel, avec distance. Nous joignons ça dans celle la ligne. Ça appelle ça join, ça appelle ça concatiner. Mais en zut, nous pouvons mettre un virgule. Nous faisons tout mine dans la ligne qui appelle file data. Après ça, qui nous fait? Après ça, ce qui nous fait?
nous ouvrir file là qui file nous ouvrir al dans si drive ouvrir sa file qui appelle txt là et mettre ça la ligne là bas voilà. Maintenant si moi j'ai envie de répéter ça pour plusieurs des états, moi je vais mettre ça là loop. Voilà, nous pouvons arrêter la même là entièrement. Bon, fini de discuter aux autres. Quand on crée file là, on met des états dans file là et vous pouvez discuter un papier l'examen aux autres de cette vidéo là bien. Voilà, l'utilisateur fonctionne, get time on crée, get fuel on crée, get distance on crée. Et tout ça va fonctionner, il prend ce bon valeur, nous mettons ça dans celle la ligne. Et il est là au milieu des autres, nous mettons virgule. Et il est là qui nous fait, nous ouvrir file dans la save là, nous ouvrir file là, nous mettons ça la ligne là, là-bas. Voilà. Et l'India nous donne nous en pseudocode. Mais en pseudocode, comment tu peux être comme ça? Voilà, function save, nous déclarons une variable qui nous besoin. Voilà. Et mon get, mon gain valeur distance, mon get valeur fuel. Comment mon gain ça? Parce que mon call ça va fonctionner get distance, get fuel, get time. Mon service ça va fonctionner pour gain valeur le mon variable. Après ce qui mon fait, mon prend tout ça mon variable là, mon concatenate, mon join. Après mon ouvrir mon file, mon append ça mon data là. Et les là mon écrire la file là et mon close file là et mon return. Ça, c'était pseudocode. Et ça, c'est mon marking scheme. Je vais lire, je vais checker. Et ça, c'est mon VB. Bon, devoir, on finit de donner. Devoir, lire dans sa Excel sheet là. Voilà, tous les enfants qui regardent sa Excel sheet là. Get the file. Je vous trouvez tout le monde l'année là-haut. Et tout le monde question sur l'examen pour chaque année. Le homework. Maintenant, on arrive à la fin de sa classe là. On peut arrêter. Et tout de suite, on peut faire papier 4. Oh, bon, c'est les mains. Peut-être que je vous mettre une petite pause, 2 minutes ou 1 minute. De là, je vais commencer. Allez. Maintenant, je arrête mon vidéo de. On ne va pas connaître si déjà arrêté. Non, là. Bon, sa vidéo là, il est assez longue.